Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Euh, donc comme vous le voyez ça va être un live un petit peu spécial par rapport à d'habitude. C'était pas du tout prévu que je parle de la proposition de loi 3661 euh, mais voilà c'est euh, l'actu du week-end. Euh, Luc vous en a parlé pour ceux qui connaissent sa chaîne, Toupette Tanguy vous en a parlé euh, cet après-midi. Donc moi mon live était prévu à 18h et je me suis dit bah de toute façon euh, on va m'en parler donc autant faire en sorte que ce live soit pas forcément complètement dédié à ça mais on va en parler un petit peu pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce qui se passe pour ceux qui veulent avoir peut-être plus d'infos euh, donc déjà première petite info je vous ai mis dans la description euh, le lien vers la proposition de loi dont on va Parler, comme ça vous pourrez aller voir de quoi il s'agit directement. Euh, je vous ai mis aussi euh, la vidéo de Luc, le lien de la vidéo de Luc et celle de Tanguy dans la description aussi, comme ça vous pourrez avoir euh, plus de, de sons de cloche entre guillemets. Euh, donc voilà, donc ça c'était euh, les premières choses que je voulais vous dire. Euh, donc on verra après si on a un peu de temps pour répondre à des questions euh, comme d'habitude. J'espère qu'on va pouvoir répondre aussi à vos questions aquariophiles. Donc euh, juste avant de commencer. Ce live, et euh, on va partir après sur le sujet. Et d'ailleurs, l'aquarium à la maison, on avait euh, parlé euh, de cette proposition de loi. D'ailleurs, euh, je crois que dans l'édito, si je ne me trompe pas, Sébastien Ruot, qui est euh, directeur de publication, en a parlé euh, exactement dans l'édito. Euh, même si la menace n'est pas écartée, la proposition de loi, je vous laisse découvrir ça. Donc, le sponsor du live, euh, c'est l'Aquarium à la Maison. Vous connaissez le magazine, j'espère, maintenant. Euh, donc, ce mois-ci, euh, c'est novembre-décembre, ce numéro-là, c'est numéro 148. Euh, donc, on parle platis, donc vous pourrez découvrir toutes les variétés de platies ça parle aussi euh, comment démarrer un aquarium d'eau de mer très sympa une, euh, une personne euh, très compétente Véronique qui a écrit euh, cet article donc pour ceux qui veulent démarrer euh, un aquarium d'eau de mer euh, donc voilà merci aux sponsors je m'excuse je reparlerai d'aquarium à la maison mais voilà comme ça va être un live un petit peu long on va aller euh, un petit peu à l'essentiel donc Qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi 3661 euh, D'abord, première chose, c'est une proposition de loi. Donc pour le moment, il n'y a rien de voté. Euh, il y a des choses qui sont entérinées d'autre part. On va revenir peut-être un petit peu en détail sur certains points euh, qui, qui caractérisent cette proposition de loi. Mais en gros, euh, le but de cette proposition de loi, c'est de modifier la loi actuelle sur la vente. Euh, des animaux de compagnie. Alors, on va aussi faire euh, le distinguo animaux de compagnie, animaux domestiques, animaux non domestiques, euh, parce que cette loi, en fait, elle, elle tend à tout englober, les animaux domestiques et non domestiques. Donc, euh, potentiellement, il y a plein, plein d'espèces qui peuvent être touchées. Euh, donc, on voudrait, euh, a priori, nous imposer une nouvelle liste, euh, qu'ils appellent une liste positive. Moi, j'appelle ça une liste plutôt négative. En fait, c'est une liste qui va dresser des des espèces, euh, des noms d'espèces, de poissons, d'invertébrés, de serpents, d'animaux de, de, comme des oiseaux, peu importe, des espèces d'animaux euh, qui seront interdits à la vente en France. Tout simplement. Donc vous ne pourrez pas les trouver en animalerie, vous ne pourrez pas euh, non plus vous les procurer euh, par des euh, éleveurs professionnels ou des éleveurs euh, semi-pro-amateurs, ça sera interdit d'en faire le commerce en France. Donc c'est un petit peu problématique parce que pour le moment, on n'a pas d'infos sur qui va gérer la liste, qui euh, va donc écrire le nom des espèces, qui va décider quelle espèce serait... Interdite à la vente en France. On n'a pas non plus d'infos sur comment vont être euh, décidées, euh, quelles espèces euh, vont être inscrites sur cette liste. Donc en fait, c'est très arbitraire tout ça pour le moment. Il n'y a pas beaucoup euh, de choses très claires. On nage beaucoup dans le vague et euh, a priori, c'est n'est pas bien géré toute cette histoire. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui est politiques, les animalistes, les spécistes, etc., les lobbies qui font pression pour que cette loi passe d'une certaine façon et pas d'une autre. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qu'on va pouvoir faire ou pas dans l'avenir. Donc demain, c'est tout, tout juste, hein, demain, le 15 novembre, euh, ça passe à l'Assemblée nationale. Donc ils vont en rediscuter. Est-ce qu'il y aura des choses qui seront votées ou pas euh, Ça, je sais pas. On verra bien. Euh, en attendant, pour ceux qui se demandent ce que c'est, euh, le hashtag touche pas à mon animal, euh, c'est un hashtag que euh, Tanguy et Luc ont lancé, euh, je sais pas, ça doit être jeudi, vendredi, enfin cette semaine, euh, je sais plus trop quand précisément. Euh, donc on vous invite euh, et moi également à partager ce hashtag sur tous vos réseaux sociaux, Twitter, Insta, euh, sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube et euh, bah, tout simplement par exemple sur Insta ou sur Twitter, vous, vous prenez en photo avec votre animal, votre chien, votre, euh, votre aquarium. En l'occurrence ou votre serpent, peu importe votre oiseau, et euh, vous mettez le hashtag touche pas à mon animal euh, pour montrer que on n'est pas tous des tortionnaires d'animaux parce que malheureusement cette loi tend à nous faire tous passer pour des gens méchants voilà, des, 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 des vilains qui veulent absolument mettre sous clé leurs animaux, euh, qui ont pas de respect pour eux, qui ne s'en occupent pas, qui ne les aiment pas, ce qui est évidemment complètement faux. Hein. Euh, je dis pas qu'il y a des gens qui sont tous exemplaires, mais majoritairement, on aime nos animaux, on y fait attention. Donc voilà, c'est important aussi de faire entendre nos voix à tous, tous les possesseurs d'animaux, tous les amoureux d'animaux, qui ont vécu euh, toute leur vie, euh, comme moi par exemple, avec des animaux auprès d'eux, et qui auraient très certainement une bien triste vie sans ces animaux. Donc je vais lire un petit peu vos coms, euh, n'hésitez pas à me poser des questions précises, hein. j'ai euh, les textes sous la main, j'ai euh, les propositions qui ont été faites avec euh, ce qui doit être euh, changé ou pas, euh, vous pouvez trouver des infos très fiables, entre guillemets, sur euh, la Fédération Française d'Aquariophilie, la FFA, donc sur leur site, je vous mettrai le lien aussi, je suis en retard pour le live, hein, clairement, donc euh, j'ai pas eu le temps de mettre tous les liens dans la description, mais je mettrai ça dans la description. Euh, Peut-on mettre un serpent avec des guppies Bon, alors, après, voilà, ça, c'est des questions, Bélec. Euh, quel est le rapport Je ne sais pas. <laughs> euh, pas bien et un peu bien quand même. Alors, effectivement, cette, ce, cette proposition de loi, parce que c'est pas une loi, euh, pas encore, en tout cas, il y a du bien et du pas bien, évidemment. Il y a des choses qui sont bien pour la... contre, j'allais dire pour, mais contre la maltraitance animale, euh, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ils ont instauré volontairement un flou, euh, notamment en enlevant, je vais vous donner un exemple, avec un texte que j'ai là, il faut juste que je le retrouve, euh, tuc, 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 où est-ce qu'il est passé, le petit PDF, euh, il est là. Euh, par exemple, euh, voilà... Une, un texte qui existe déjà dans la loi, euh, toute publication d'une offre de cession à titre onéreux, donc toute publication d'offre de vente de chats et de chiens, quel que soit le support utilisé, gnagnagna. on poursuit le texte, donc dans la loi actuellement c'est le chat et le chien, et là on veut remplacer ça par les animaux de compagnie. Donc en fait en remplaçant à chaque fois euh, chien et chat par animaux de compagnie, c'est très vaste. Les animaux de compagnie, ça peut être des animaux domestiques, chiens, chats, lapins, ou ça peut être des animaux non domestiques, donc par exemple, je ne sais pas, des scalaires, des discus, euh, des corridoras, c'est des animaux qui sont non domestiques, donc ces animaux-là, euh, on veut vraiment les englober dans un texte global qui serait euh, potentiellement un texte très euh, limitatif sur ce qu'on pourrait ou pas euh, se procurer euh, bah, en animalerie. Tout simplement. Je, je recherche le chat, j'ai perdu le chat, je vous ai perdu, ça y est, vous êtes là. Il faudra aller en Thaïlande pour acheter les poissons, c'est grave. Bah tu pourrais même pas, parce qu'en fait, à la douane, tu serais arrêté, euh, et les poissons, ils seraient euh, arrêtés à la douane. Donc c'est même pas possible. Il y aura quoi comme poisson qu'on ne pourra plus avoir Alors, justement, ça, c'est une grosse question que j'ai vue notamment dans le live de, de Tanguy cet après-midi. Vous êtes très nombreux à vous demander qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette liste Et c'est ce que je vous disais on ne sait pas ce qu'il va y avoir sur cette liste. C'est arbitraire il va y avoir une commission. Voilà, qui va se réunir. Euh, alors qui sera là, qui sera pas là, on ne sait pas. Euh, qui va décider, on ne sait pas. Quelle espèce y aura, on ne sait pas non plus. Comment ça sera euh, jugé, oui, celle-là, non, euh, on ne sait pas non plus. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a forte chance que si cette loi est votée en, en l'état, on se retrouve avec une liste très limitante et une liste qui sera euh, de plus en plus limitée. Donc le but, a priori, euh, pour toutes les associations... Extrémiste des droits des animaux, c'est de nous interdire d'avoir des animaux chez nous, malheureusement. Alors, les Beta Splendens font partie de la liste des animaux domestiques. Donc, a priori, je pense que tous les animaux qui sont sur cette liste euh, seront encore disponibles à la vente pendant un bon moment, les chiens, les chats, les poules, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre, les ânes, les chevaux, les cochons, euh, les cochons d'Inde, pendant que je parle de cochons, euh, voilà, il y a plein les rats, les souris, euh, il y a quand même pas mal d'animaux sur la liste des animaux domestiques, donc ça c'est une liste officielle, hein. c'est une liste euh, qu'on peut trouver dans les textes de loi, donc c'est des animaux, je pense, qui pour le moment ne seront pas impactés par ça. Mais par contre, tout ce qui est animaux non domestiques, euh, qui sont souvent confondus avec des animaux sauvages, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, vous avez par exemple les scalaires et les discus, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des animaux d'élevage depuis bien longtemps. Mais ce ne sont pas, aux yeux de la loi, des animaux domestiques. Ce sont des non-domestiques. Il y a des critères pour qu'un animal soit domestique ou non, mais ce n'est pas un animal sauvage. Et le problème, c'est que les associations de défense animale qui défendent un petit peu ce texte de loi ne font pas le distinguo. Pour eux, un animal non domestique, c'est forcément un animal sauvage qui doit être en liberté, etc. C'est etc. Euh, malheureusement pas aussi simple. Hein. Donc, je pense que l'équilibre, par contre, l'équilibre, ça ferait partie, je pense, de poissons euh, qui seraient facilement inclus dans ce genre de liste. Oui, les chameaux sont des animaux domestiques, effectivement. La liste n'est pas si longue que ça, mais c'est comme ça. Euh, salut Tanguy, le risque, le risque pardon, c'est la restriction des listes au fur et à mesure des années, c'est exactement ça. Euh, c'est qu'on va commencer gentiment euh, et puis au fur et à mesure, on va en rajouter. Et ça, c'est problématique parce que euh, on, je ne l'ai pas encore abordé là, dans ce live, mais effectivement, on a aussi le problème que les animaleries. Moins elles vont avoir d'animaux à nous proposer, bah moins elles vont avoir envie d'avoir un rayon animalerie. Donc on va pas forcément nous trouver facilement des animaux. Euh, moins va y avoir d'animaux, moins il va y avoir d'animalerie. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et moins il y a d'animalerie, moins il y a de, de gens qui, qui vont travailler dans les animaleries. Donc c'est des emplois en moins, euh, que ce soit aussi dans les zoos et autres qui sont un petit peu visés aussi, les cirques, euh, tous ces, tous ces établissements-là, tous les animaux. Partout où il y a des animaux, c'est visé, hein, de toute façon. Donc, on a euh, une situation un peu complexe, que ce soit pour les amoureux des animaux, les simples amateurs comme nous, euh, que ce soit pour les professionnels. Ça fait poser quand même beaucoup de questions, euh, notamment les personnes qui sont actuellement en train de se former au métier animalier, euh, pour être euh, vendeur en animalerie, notamment. Euh, Est-ce que c'est le bon choix de carrière actuellement C'est pas certain. Oui, Lucien, ma c'est euh, juste pour la France. Voilà. Après, je sais que dans certains pays, il y a déjà des listes. Je crois que c'est en Suisse ou en Belgique, je ne sais plus. Euh, mais... En France, ça arrive maintenant. Ça arrive à un moment qui n'est pas forcément, je trouve, idéal. Il y a plein de choses aussi à, à penser. Il n'y a pas que ça. Euh, la France, elle est, comme Tanguy vous l'a dit cet après-midi, elle est déjà dotée de beaucoup de textes de loi qui protègent les animaux. Il euh, y a beaucoup de dispositifs, comme la convention de Washington avec les CITES, euh, comme les certificats de capacité, qui font en sorte que on puisse pas vendre non plus n'importe comment euh, des animaux. Donc est-ce qu'il y avait besoin de rajouter des, des restrictions Je sais pas. Euh... Alors oui, on aurait le droit de garder évidemment les animaux qu'on a déjà. Euh, donc on va pas venir chez vous euh, prendre vos animaux, vos poissons, vos crevettes, vos chiens, vos chats, vos chevaux. Euh, on va pas venir les prendre. Mais par contre, bah si la loi était passée, c'est fini. Vous en achèterez pas d'autres. Vous voilà Si votre cheval meurt de vieillesse, bah vous pourrez pas en reprendre un si euh, ça se met sur la liste, par exemple. Si euh, voilà une lubie, ils n'ont plus envie que vous ayez des chevaux. C'est bon, plus généralement, je pense, ça va plus être sur des espèces comme les lézards, les serpents qui vont, je pense, être le plus touchés rapidement si ça passe. Mais c'est pas évident. Euh... Enfin, c'est très flou, hein. encore une fois. C'est très très flou tout ça. Et c'est ça le problème de cette loi. Les extrémistes, ils saoulent. C'est le problème partout. Euh, dès que tu as de l'extrémisme, euh, dès qu'on ne fait pas deux poids deux mesures, qu'on n'essaie pas de, de, de comprendre l'autre, euh, bah, ça pose problème. Donc il y a un camp euh, qui dit il faut pas qu'il y ait d'animaux en captivité, point barre. Et tu as un camp euh, qui est... Euh, à l'inverse, euh, voilà, euh, les captivités, captivités. Et puis au milieu, tu as des gens un petit peu entre les deux euh, qui pensent qu'il y a des choses à faire. Euh, comme moi, par exemple, je pense qu'il y a effectivement des petites choses à améliorer, notamment pour tout ce qui est dans les animaleries. Qu'on euh, ait enfin obligation d'avoir, par exemple, un vendeur en face de soi qui soit qualifié. Et pas euh, juste besoin d'un personnel, d'une personne dans le magasin qui ait le certificat de capacité. Et point barre que tout le monde ait des infos correctes, qu'on n'ait qu pas des stagiaires euh, comme on a actuellement dans, dans beaucoup de magasins euh, qui donnent des infos mais complètement erronées, qui n'y connaissent pas grand-chose. Qu'on ait vraiment des personnes qualifiées en face systématiquement. Ça, pour moi, ça serait très important. L'information, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important avant toute interdiction ou autre. Euh, tous les éleveurs en milieu agricole vont-ils être touchés? Alors le milieu agricole c'est encore un petit peu particulier, même si effectivement une partie euh, de cette loi est euh, dans le code rural. Euh, donc rural, euh, bon bah les animaleries y sont aussi, mais je sais qu'il y a une partie en particulier, mais je ne m'en souviens pas laquelle, euh, qui, euh, qui effectivement parle un petit peu plus des milieux agricoles. Mais c'est vrai que chaque secteur est touché d'une façon un peu différente. Euh, beaucoup de personnes sont, se sont pas imaginées au début que, par exemple, les aquariophiles, on aurait euh, des soucis à se faire avec ce texte de loi. Et bah, au final, si. Alors, des pétitions, il y en a plusieurs en ligne. Euh, D'ailleurs, je vous avais parlé de cette proposition de loi au tout début de l'année. Ça devait être au mois de janvier, je me souviens plus, janvier-février. Euh, J'en avais parlé. Malheureusement, j'ai fait une fausse manip sur la chaîne et euh, bah, j'ai supprimé le live où je vous avais expliqué tout ça. Bon, C'est pas très, très grave, mais. Euh, euh, donc, il y avait des pétitions. Je vous avais mis des liens vers des pétitions. Euh, allez voir le, le replay du live de Tanguy. Euh, je sais pas si Luc a mis des, des pétitions dans sa description, mais je pense que oui aussi. Il euh, y a dans les descriptions des, euh, des liens vers euh, des fédérations qui, euh, qui vont essayer de, de faire en sorte que la loi passe, mais. Euh, que ça soit un peu plus gentil Et puis, il y a aussi des pétitions en ligne, vous pouvez en trouver plein. Je vous mettrai ça dans la description après, vous inquiétez pas. Euh, salut Quentin, est-ce que je pense avoir des animaux touchés euh, bah alors tout ce qui est crevette, je pense que ça peut potentiellement être touché. Après, j'ai pas beaucoup d'animaux, enfin tous mes poissons, hein, les cubotailles, euh, les poissons rouges, je pense pas que ça soit euh, dans leur priorité. Euh, après, euh, les crevices, euh... Oui, bah oui, à part les poissons rouges, euh, potentiellement, euh, bêta. Je pense aussi que ça sera épargné au début, mais, mais encore une fois, peut-être que par la suite, euh, ils voudront aller plus loin. Euh... Euh, je pense que les ventes clandestines vont augmenter. Alors ça, c'est fort probable. En plus, c'est vrai que euh, tout à l'heure, on, on en discutait à la maison et on s'est fait la réflexion qu'effectivement, avec tout ça. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, là, maintenant, là, pour Noël, se grouiller d'acheter des animaux. Parce qu'ils vont se dire, on ne sait jamais, peut-être que ça va être interdit après. Donc, est-ce que ça va être bien, des gens qui vont se dépêcher d'acheter des animaux qui ne se seront pas forcément renseignés euh, Non, c'est pas, pas... De toute façon, interdire des choses en général, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Euh... Avant de pondre des lois comme ça, il devrait euh, interdire le bocal et d'autres choses comme ça. En effet, c'est effectivement, euh, euh, moi en tant que président de l'Association française du poisson rouge, ça, ça me fait un peu... Euh... Hurler parce que moi des pétitions, voilà j'en avais lancé avec l'association, on avait eu beaucoup de signatures, j'ai envoyé des courriers euh, à des ministres de l'agriculture, j'ai jamais eu de réponse. Euh, pareil, on a essayé de sensibiliser les animaleries, etc. Il euh, y a des lois qui existent notamment pour interdire la, la cession en cadeau des poissons rouges dans les fêtes foraines, elles sont même pas appliquées. Donc déjà, avant de faire des nouveaux trucs, peut-être appliquer les lois actuelles. Mais ça, c'est la France, malheureusement. On a des tonnes et des tonnes de lois qui ne sont pas appliquées. On aime bien en pondre des nouvelles. Euh, c'est jamais suivi. Enfin, c'est particulier. Euh, les culis, alors les culis et les killis, les deux, hein, euh, sont des animaux non domestiques. Donc pour moi, je le répète, je pense que tous les animaux qui sont sur, enfin qui ne sont pas du coup sur la liste des animaux domestiques, chien, chat, poule, poisson rouge, beta splendens, euh, axolotes albinos, euh, pour ne citer que ceux-là, il y en, y en a d'autres, j'ai oublié, hein, les guppies, les d'Aniorio et je ne sais plus lesquels. Il n'y a que quelques poissons sur cette liste-là et les axolotes albinos, pas les axolotes des autres couleurs, euh, tous ces animaux-là seront très certainement épargnés dans un premier temps. Par contre, tous les animaux non domestiques, là, ça risque effectivement d'y avoir euh, pas mal de, de raturage de noms. Euh, salut Elina, je croyais que ça ne concernait que la vente des chats et chiens en animalerie. Si j'ai bien compris, la proposition a été modifiée. Alors en fait, ils ont déjà effectivement voté euh, quelque chose euh, en décembre de l'année dernière euh, qui interdit effectivement vente de chiens et chats en animalerie. Ça c'est fait, c'est acté, c'est fini, on ne peut plus en trouver. Euh, par contre, il y a encore d'autres textes de loi qui doivent être modifiés euh, et ajoutés. Donc en fait, c'est plus effectivement des modifications de loi actuelle ou des ajouts aux lois actuelles qu'une qu loi en elle-même, hein, c'est encore une fois une proposition de loi. Et, euh, et en fait, bah ça, ça n'est pas encore complètement voté. Ça a été revu, re-revu, redire, ah, Ça fait un an que ça dure, hein, tout simplement. Euh, et donc là, demain, ils vont se réunir à l'Assemblée pour voir un petit peu où ça en est et peut-être qu'ils vont voter des choses euh, qui seraient pas cool pour nous. Euh, je viens de lire, hein, le, le texte, c'est des malades. Oui, et encore, vous, quand vous lisez le texte que je vous ai mis en description, c'est juste, euh, euh, voilà, des, des choses euh, comme ça, but en blanc, mais quand on a des détails un peu plus poussés, euh, je vais vous lire des petites choses qui devraient être ajoutées à la loi. Je vais vous lire ça. Euh, on a, par exemple... Euh, bah, L'article L 413-1 A, c'est très précis. Euh, parmi les animaux d'espèces domestiques, non domestiques pardon, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevage d'agrément. Donc là, on, clairement, c'est effectivement la liste dont je vous parlais. La liste mentionnée au 1, donc de ce dont on vient de parler, est établie et révisée tous les trois ans. Après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l'Environnement, cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité. Alors déjà, quand vous lisez ça, c'est n'importe quoi. Euh, des données scientifiques disponibles récentes, mais où ils vont trouver ça C'est n'importe quoi présentant des garanties de fiabilité. Qu'est-ce qui présente des garanties de fiabilité Et Non, c'est ridicule. Donc vous voyez, c'est bien précisé. Cette liste, si elle est activée, ça sera révisé tous les trois ans. Donc après, euh, soi-disant avec des personnes fiables, encore faut-il euh, être sûr que ces personnes soient fiables. Moi, je mets en doute la fiabilité de ce genre de, de petites choses. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Article 4, euh, par dérogation, la détention d'un animal d'une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée est autorisé si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la loi et du machin, <laughs> je vais pas tout vous lire parce que c'est très long, visant à lutter contre la maltraitance animale, nanana nanana. Donc en gros, il euh, y aurait des dégringations si vous avez eu l'animal avant. Mais euh, bon, c'est quand même un peu, un peu exagéré, quoi. En plus, c'est très mal tourné. Honnêtement, c'est très très mal tourné. C'est tourné de façon à ce qu'on puisse... Euh, passer par tous les coins et faire ce qu'on veut. Oui, je crois qu'en Belgique, il y a déjà une liste euh, comme ça, effectivement. Mais, euh, mais après, en France, nous, on a des lois qui, qui, qui font ce qu'il faut. Donc, euh, est-ce que les coraux seront concernés Alors, les coraux sont déjà concernés par le CITES. Donc, je pense que de toute façon, comme ils sont déjà sur une liste, ça, ça ne rentrera pas en compte. Euh, et puis, je pense que, voilà, animaux de compagnie, les coraux ne vont pas rentrer dans la catégorie animaux de compagnie, même si techniquement, on peut considérer ça comme un animal de compagnie. Maintenant, pour vivre bien, vivant caché, tout à fait. Euh, de toute façon, il y a toujours eu effectivement des gens qui maintenaient des animaux qui n'étaient pas autorisés euh, et je pense pas que ça soit en stigmatisant comme ça tout le monde euh, ceux qui ont qui font de la terrariophilie ceux qui font de l'aquariophilie ceux qui ont des chiens des chats des poules des nacs c'est là c'est se mettre tout le monde à dos pour faire quoi je vois pas l'intérêt Il y a quand même autre chose à faire pour lutter contre la maltraitance animale. Bah, disons que cette proposition de loi elle a d'autres textes que cette liste pour, pour protéger les animaux qui sont très très bien. Il y a des trucs sur effectivement la détention des animaux dans les cirques. Il y a des choses sur... Tiens, tu m'en parles. Mais justement, il y a aussi quelque chose qui va, je pense, tous vous intéresser. Un texte qui serait rajouté. Euh, l'expédition d'animaux vertébrés vivants par voie postale est interdite pour le moment c'est pas précisé dans la loi mais pour tous ceux dont moi qui commande des poissons euh, sur des sites de vente bah c'est fini les poissons c'est des vertébrés par contre les crevettes vous pourrez parce que les crevettes c'est des invertébrés les escargots vous pourrez aussi c'est des invertébrés les écrevisses aussi euh, mais les vertébrés c'est cuit donc euh, les poissons c'est mort donc c'est un petit peu euh... C'est pas évident, quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est reprécisé au-dessus l'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite. Et justement, la. Le groupe animaux de compagnie en France, c'est très très vaste parce que c'est pas bien défini par la loi. Et cette proposition de loi essaie justement de redéfinir un petit peu ce qu'est un animal de compagnie pour englober tous animaux domestiques et animaux non domestiques. Donc potentiellement, discus calère, corridoras, euh, les néons, euh, euh, les culis, les kilis, ce que vous voulez, tous les poissons qui ne sont pas dans la liste des animaux domestiques. Euh, et, puis, et puis évidemment, euh, bon, je suis un petit peu moins terrario, vous le savez, mais c'est sûr que beaucoup de lézards, de serpents, d'araignées euh, et autres euh, vont être euh, très impactés par ce genre de choses. J'ai encore perdu le chat. Hop, c'est bon. Moi qui voulais une baleine à Noël, c'est mort. Ah eh bah ben ouais, c'est mort. T'en auras pas. De toute façon, je pense que même actuellement, tu aurais du mal à en acheter. Ou alors, un petite baleine en plastique, là. Comme les petits canards. Non, mais très, sans, sans plaisanter, c'est vrai que c'est euh, un petit peu euh, euh, nous entraver, encore une fois, nous empêcher d'avoir des libertés. On ne peut plus rien faire. Euh, moi, je ne vois pas où est le mal, personnellement, euh, d'avoir un animal de compagnie chez soi, du moment qu'on s'en occupe correctement, qu'on se renseigne bien euh, voilà, qu'on lui donne des soins adéquats. La loi prévoit d'ailleurs déjà, euh, je crois que c'est l'article L214, 4 ou 6 ou je ne sais plus lequel, euh, qu'un animal doit être placé par son propriétaire euh, dans des conditions adéquates aux besoins de l'espèce. Donc si vous maltraitez un animal, quel qu'il soit, normalement vous tombez sous le coup de la loi, que ce soit un petit poisson, que ce soit un chien ou un chat. Euh, logiquement, vous pouvez avoir une grosse amende et on peut vous retirer votre animal. C'est déjà le cas. Donc pourquoi refaire des, des, des choses encore plus stigmatisantes C'est ça que je ne comprends pas. Euh, bonjour à tous ceux qui prennent le live en, en cours. Hein. Donc j'espère que vous suivrez un petit peu parce que c'est c'est pas évident j'essaie de synthétiser mais en vous donnant quand même des infos euh, merci beaucoup Jawad juste pour le soutien c'est vraiment très gentil à toi merci beaucoup euh, ouais ils sont fous tout à fait euh, là là honnêtement il y a des choses euh... Enfin, je trouve qu'il y a des choses plus importantes euh, dans la défense animale que, effectivement, euh, se demander euh, si euh, les poissons d'aquarium sont euh, vraiment. Euh, Est-ce que c'est important Est-ce que euh, je pense, personnellement, pour l'avoir vu, que les personnes qui maintiennent des serpents ou des araignées, c'est des passionnés. C'est des gens qui aiment ces animaux-là et ils ne veulent pas leur faire du mal. Ils, leur, voilà, ils font tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien lits. Je dis pas que tout le monde fait le top. Mais ne prenez pas tout le monde pour des tortionnaires. Je suis la première depuis 20 ans à défendre le droit des animaux, à dire qu'ils sont sensibles, qu'il voilà, il faut prendre soin d'eux, que c'est une responsabilité, qu'on n'achète pas un animal comme on achète des bonbons. Mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a sur cette loi. Avant les élections, ça a peu de chances de passer. Oui, il y a pas mal de gens qui disent ça. Après, euh, en ce moment, c'est tellement le bazar. Je sais pas, il y a des choses qui sont capables de passer alors que euh, on les croyait pas euh, possible. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu une interview de quelqu'un de l'association, je sais plus le nom, et puis je veux pas en faire la pub, mais enfin bref, une association assez extrémiste qui a proposé ce fameux texte de loi, qui disait que eux-mêmes, ils y croyaient pas. Ils ont proposé ça, mais ils, étaient, ils se sont dit, oh bah ben, ça passera pas, mais on va le proposer quand même. Et bingo, c'est passé, ça a été pris en main et tout, donc euh, comme quoi, euh, des fois, on, on peut être surpris. Hein. Est-ce que je peux laisser mes chats boire dans mon aquarium Alors, oui, je pense que c'est pas de la maltraitance ni de poisson ni de chat, hein, tant que ton chat. Euh... Attrape pas les poissons, mais en général ils boivent juste. Euh, mais euh, oui, c'est à se demander effectivement ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. À titre perso, bah, j'ai un chien, j'ai un chien Chila, euh, j'ai euh, des poules. Des poissons, des crevettes, des invertébrés, ça vous le savez. Euh, donc, moi, ça m'inquiète parce que euh, déjà, si on m'enlève mon chien, bon, bah, faudra essayer de venir me l'enlever. <laughs> je vous souhaite bon courage, il faut venir euh, nombreux. Euh, si on essaie de m'enlever les poules, ça sera exactement pareil parce que pour moi, c'est pas juste des poules pondeuses, c'est des petits animaux de compagnie. Je les aime, mes poules. Euh, donc, euh, j'en prends extrêmement soin de tous mes animaux. Donc, je vois pas en quoi on m'interdirait, par exemple, bah, de, euh, de prendre une nouvelle poule pour, euh, pour avoir avoir un petit groupe plus complet, euh, voilà, y, y, sous prétexte qu'elles seraient soi-disant euh, mal euh, traitées ou que c'est de la captivité, mais elles sont en liberté dans le jardin, donc tout le monde n'est pas à prendre de la même façon. On, encore une fois, on n'est pas tous des tortionnaires, et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on nous prend vraiment tous pour euh, pour des méchants, quoi. Autant interdire aux humains de faire des enfants, on ne sait jamais qu'ils soient tous maltraités. Bah, tu sais, tu dis ça, mais c'est vrai que les lois aussi se sont beaucoup durcies. Euh, moi, j'ai 40 ans. Euh, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas tous les trucs qu'on a maintenant. Quand je vois maintenant les assistantes euh, maternelles qui sont obligées de mettre des trucs sur tous les placards, euh, de, 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 de boucler tout partout, de mettre des sécurités partout, bah, à mon époque, il n'y avait rien de tout ça. On n'est pas tous morts non plus. Il y a énormément de lois qui sont un petit peu exagérées, je pense. Euh, on essaie vraiment de bah, d'interdire tout. Euh, d'infantiliser euh, les gens, euh, de les déresponsabiliser également, euh, donc moi c'est pas mon but, moi je préfère euh, euh, informer les gens encore une fois que vous preniez des animaux en connaissance de cause euh, plutôt que de l'interdire tout simplement parce qu'il y a un vilain sur, euh, sur 100 personnes qui vont prendre bien soin de leurs animaux, c'est triste. La bien-pensance prend le pas sur le bon sens. Ça, c'est Fleur... Non, c'est pas Fleur, excuse C'est Fish and Shrimp qui nous dit ça. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une belle formule. Et c'est tout à fait ça. Euh, encore une fois, on peut aimer les animaux, on peut défendre la cause animale, on peut s'insurger contre les traitements qui sont faits à des animaux. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Je suis contre la chasse. Bon. Je ne vais pas pour autant aller euh, tout le temps taper sur les chasseurs. Euh, je pense que chacun s'informe, chacun fait son opinion. Euh, mais voilà, il y a des choses où on est contre, mais c'est pas une raison non plus d'être archi les uns contre les autres. On peut discuter, les choses vont s'améliorer d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a des choses sur la chasse qui ont, qui ont été changées récemment. Euh, donc bon. Discutons, euh, soyons euh, des adultes responsables et arrêtons de faire effectivement des guéguerres d'idéologie. Hein, comme j'ai pu voir quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est tout à fait ça. C'est vraiment des guéguerres euh, politiques, idéologiques. Euh, et au milieu, bah, les, voilà, les passionnés ou les gens lambda, on en fait les frais. Et on n'a pas tellement notre mot à dire parce que c'est vrai qu'on a beau lancer des pétitions, on a beau faire des trucs, c'est dur de se faire entendre, euh, c'est très très dur, euh, donc c'est compliqué j'avoue que moi, avec le recul que j'ai dans la défense animale, j'ai un peu de désillusion malheureusement sur pas mal de choses, parce que je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai pu faire à gauche à droite, il y a des choses qui ont évolué, mais il y a des choses qui ont stagné, euh, c'est... C'est fatigant en plus <laughs> d'être sur le devant de la scène comme ça. Donc euh, bah, bravo d'abord à, à Tanguy et à Luc euh, d'avoir relancé un petit peu ça, parce que c'est vrai que pff, faut, faut être jeune pour y aller, hein. faut, faut avoir la niaque, hein. Pourquoi ne pas faire une liste positive pour les plantes Après tout, c'est vivant. Si cette loi passe, elle sera effective quand Alors ça, quand c'est effectif, on ne sait pas. Il euh, Faudra checker demain, déjà. Demain, à l'Assemblée, on en saura un petit peu plus. Euh, donc, euh, je pense qu'on vous tiendra au courant. Euh, voilà, moi ou, ou d'autres. Hein. Euh, on vous tiendra au courant. On va suivre ça pour, pour savoir ce qui se passe. Euh, donc, euh, pour les plantes, euh, bah, figure-toi que la Convention de Washington, elle possède aussi des listes de plantes qu'il est interdit euh, de prélever, de vendre, de commercialiser dans le monde. Donc c'est déjà prévu. Mais euh, ce sont en général ce qui est sur la Convention de Washington, ce sont des listes d'animaux et de plantes qui sont en danger dans leur milieu naturel. Et c'est vrai qu'au lieu de s'occuper un peu des éleveurs, euh, notamment je prends les éleveurs de kili qui ont sauvé des espèces, ou, ou d'autres euh, poissons d'eau de mer, etc., des éleveurs amateurs qui ont sauvé des espèces, parce que dans le milieu naturel, c'est foutu. Euh, regardez en Amazonie, il euh, n'y aura bientôt plus un arbre, et après, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi je veux dire, Les animaux, ils sont en train de disparaître, mais d'un autre côté, on nous dit, non, il ne faut pas non plus en avoir chez vous. Donc on fait quoi On laisse les espèces disparaître. Ok, c'est assez bizarre, comme il y a deux points de mesure bizarres. Euh, Est-ce que je pense faire une vidéo parlant de l'association dont je suis présidente euh, Pas spécialement tout de suite. Euh, après, c'est malheureusement comme toute association, on manque beaucoup de bénévoles. Euh, donc euh, voilà, y a, les actions sont plus limitées qu'avant. Moi, je le disais, j'ai un peu moins l'agnac. Donc c'est euh, un petit peu en stand-by pour le moment. Euh, salut Terrario! Est-ce qu'un certificat de capacité ou une simple attestation de formation et sensibilisation au bien-être animal suffira pour continuer à élever nos animaux qui ne seront pas sur la liste? Alors, a priori, euh, oui, de ce que j'ai vu, euh, il faudra avoir un certificat de capacité pour continuer à élever des espèces qui n'étaient pas sur la liste auparavant. Mais après, est-ce que ça permettra. Euh, de se procurer des espèces euh, par un biais ou un autre, professionnel ou entre amateurs, et continuer à les élever, ça, je ne sais pas. Ça, je, je peux pas te dire. Il y a encore des choses très très floues hein, dans tout ça. Hein. C'est les propositions de loi en général, euh, ça ça demande du temps avant d'être complètement entériné. Et une fois que les propositions de loi sont entérinées, il y a des décrets. Donc c'est par exemple la liste positive qu'ils veulent faire, ça serait un décret où il y a la liste. Euh, donc c'est à préciser. Je pense quand même qu'un certificat de capacité pourra aider effectivement des personnes à faire euh, des élevages, euh, peut-être à justifier un élevage semi-amateur pour préserver telle ou telle espèce. Euh, après, je ne sais pas trop. Euh, ce qu'il adviendrait euh, d'espèces qui, justement, ne sont pas forcément en danger. Euh, C'est pas évident, pas évident du tout. Il euh, faudrait aller à l'étranger. Euh, C'est complexe. Euh, oui, je le redis, hein. si euh, cette proposition de loi est entérinée, si on nous fait une liste positive, que moi j'appelle négative, euh, oui, vous pourrez garder les animaux que vous, que vous avez actuellement, on ne viendra pas vous les prendre, mais vous n'aurez pas le droit de les distribuer, donc vous n'aurez pas le droit de les vendre ou de les donner à un autre amateur, et vous n'aurez pas le droit non plus de racheter, euh, ou euh, oui, bah de racheter hein, tout simplement euh, à des éleveurs ou à des magasins. De toute façon, les magasins, les animaleries, si cette loi passe, voilà, Eux, ils vont suivre les listes. On va leur dire euh, 50% de ta batterie d'animalerie de, de, de poissons euh, terminé Les néons, on veut plus, si, ça, on veut plus, c'est sur la liste. Tac, 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 on raye. Donc ils vont continuer de vendre ce qu'ils peuvent vendre, ce qu'ils ont le droit de vendre, ce qu'ils ont le droit d'acheter. Et puis au fur et à mesure, euh, est-ce qu'un jour il y aura encore quelque chose dans les bacs de vente On ne sait pas. Euh, J'espère que ça passera pas, cette loi. Avoir, voir, à voir, à voir. En gros, on garde nos animaux, mais on pourra plus en avoir. C'est ça, William, c'est exactement ça. Alors, après, attention, hein. on n'a pas dit que ça allait être tout d'un seul coup. Alors, Ça, ça je pense que s'ils si font ça tout d'un seul coup, là, 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 là il va y avoir un souci. Parce qu'avec euh, le nombre de personnes qui ont des animaux chez eux, ça risque d'être chaud hein, pour leur matricule, mais. Euh... Ça va, voilà, ça va s'y aller tranquillou, en petite, petite espèce, tous les 3 ans, on va ajouter 10, 20 espèces, et puis dans 10 ans, euh, voilà, on n'aura plus grand-chose. Bah, c'est une histoire de fric, je ne sais pas si c'est une histoire de fric, c'est une histoire politique, ça c'est sûr. Euh, de fric, euh, la filière euh, des animaleries euh, fait un peu la tronche. Euh. Après, je vous la l'accorde... Les animaleries auraient dû aussi être un petit peu plus attentives. Euh, elles ont laissé un petit peu les choses se faire. Elles n'ont pas bougé beaucoup. Hein. Euh, moi, je n'ai pas d'acquaintance ni d'un côté ni de l'autre. Encore une fois, je suis totalement neutre, euh, mais je constate toujours euh, que je reçois autant de messages qui me disent, bah on m'a conseillé quatre euh, poissons rouges dans un bocal. Euh, le vendeur, il m'a dit, mais c'est bon, tu peux mettre un poisson rouge dans 20 litres, euh, il va grandir à la taille du, du machin. Euh, bon. J'en ai reçu encore ce matin des messages comme ça. Donc, euh, je vois bien qu'il y ait des vendeurs en animalerie qui soient formés, qui soient bons, qui soient et professionnels. Mais a priori, il y en a encore beaucoup qui sont pas professionnels. Et c'est ça pour moi le problème. C'est pas la personne qui va venir acheter un poisson et qui va pas bien s'en occuper et qui va tomber sur ma chaîne ou la chaîne de quelqu'un d'autre. Ah bah tiens, bah zut, euh, en animalerie on m'a pas dit pareil. C'est pas normal. Euh, petite abeille, penses-tu que de nombreuses personnes essaieront de se ruer pour s'acquérir des animaux avant que la loi prenne effet si elle est validée Oui, malheureusement. Je pense d'ailleurs que ça a déjà dû euh, commencer un petit peu. En plus, là, on est dans des périodes compliqué il y a des confinements euh, il y a des gens qui se sentent seuls donc forcément il y a eu un gros boom d'adoption en 2020 euh, donc ça c'est plutôt positif euh, du coup pour le confinement mais il y a aussi euh, bah, le problème que voilà les gens ils vont se dire bah euh, je sais pas euh, mon enfant euh, mon petit garçon il veut un chien euh, ça fait 2-3 ans que je lui dis non bon bah, peut-être que si je peux plus prendre telle ou telle race euh, ou il veut absolument je sais pas un lézard euh, peu importe lequel on s'en fiche. Euh, voilà, ou une tortue, ou je ne sais quoi. On va le prendre tout de suite maintenant. On ne sait pas s'il y en aura d'autres. Donc, euh, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour les animaux. Tout ça, de toute façon, c'est pas bon pour les animaux. Ça sera eux qui vont en faire les frais. Euh... La loi sera votée le 16 novembre. Alors, moi, j'ai vu le 15. Alors je sais pas si c'est demain lundi ou mardi du coup, il semblait avoir vu le 15. peut-être que ça a été reporté d'une journée. Euh, tout, 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 tout. Alors il y, y a beaucoup de réactions dans le chat et c'est très bien, c'est normal que ça vous fasse réagir. Après, n'hésitez euh, pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, si vous trouvez que cette liste au contraire, elle devrait exister. Dites-le dans le chat. Je le dis assez souvent, puis je pense que ceux qui connaissent la chaîne le savent. Je ne ferme la porte à personne. Je suis ouverte à la discussion. Euh, moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, je préfère qu'on discute. Euh, je suis pas bourrine à dire euh, ma vision des choses, c'est comme ça. Je réfléchis euh, quand on me dit quelque chose, j'y réfléchis. Donc, n'hésitez surtout pas. Euh, évidemment, on est assez nombreux à être d'accord parce qu'on a des animaux. Mais c'est possible aussi d'avoir un avis euh, autre. Euh, tu, 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 tu. Du coup, si on a des espèces qui ne sont pas sur la future liste, il faudra faire quoi Alors, bah, si tu as une espèce qui n'est pas sur la liste, si elle, est, si elle passe cette liste, bah, rien, il n'y a rien à faire. Euh, par exemple, je ne sais pas, je vous prends un exemple, les tétranéons. Admettons, ils ne le mettent pas sur la liste par inési. C'est pas sur la liste euh, positive, négative, donc vous pouvez en acheter puisque vous en trouverez en animalerie. Et ceux qui sont chez vous, il bah, n'y a pas de problème, vous pouvez les garder. Les garder, les reproduire, en donner, etc. Alors la loi elle est votée par qui bah, Comme d'habitude, hein, à l'Assemblée nationale, euh, voilà, rien de bien compliqué. Hein. Est-ce que je pense que les canaris vont faire partie du lot Alors, les canaris, il me semble qu'ils sont euh, sur la liste des espèces domestiques. Donc, euh, je le redis, j'ai dans l'idée que euh, les espèces qui sont sur la liste euh, domestique, des animaux domestiques en France, ne soient pas tout de suite impactées. Je pense vraiment qu'ils vont s'orienter beaucoup plus euh, vers des animaux euh, exotiques et non domestiques. Je suis végane et j'ai de nombreux animaux chez moi. Je trouve cette loi un peu débile. Alors oui, c'est vrai qu'aussi, il faut pas faire... Euh... Merci Alexis d'avoir euh, dit ça, parce que les véganes ne sont pas... Euh... Enfin, il y a beaucoup de termes, malheureusement, qui sont galvaudés. Végane, euh, antispéciste, euh, animaliste, etc. Il y a beaucoup de thèmes comme ça. Quelqu'un qui est végane ou végétarien, c'est pas forcément non plus quelqu'un euh, qui, qui va être un gros extrémiste. Euh, même euh, voilà, s'il y en a qui qui, qui essaie toujours de nous dire arrête de manger de la viande. Bon, on fait quand même ce qu'on veut. Tout le monde n'est pas extrémiste. Encore une fois, hein, je le dis, il n'y a pas y a pas que ça sur Terre. Hein, mais malheureusement, c'est les extrémistes d'un côté comme de l'autre qu'on entend toujours le plus. Euh, les insectes, me mentes, sont dans la liste, tu penses euh, je, Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances parce qu'en plus des fasses mais des, phasmes et des menthes, on en trouve dans la nature en France. Donc je pense que ce sont des animaux qu'on pourrait euh, éventuellement voir dans ces listes. Euh, ça serait très certainement euh, jugé par les commissions. Donc toujours, on ne sait toujours pas qui ça va être. Bref, les commissions hein, de gens spécialistes reconnus, etc. Soi-disant. Euh, je pense que ce serait possible que ça soit dedans. Euh, le projet de loi part d'une bonne intention. Ça permettrait sûrement d'imiter les achats compulsifs, mais pour les personnes qui se sont enseignées, se verront limitées. Ouais, tout à fait. C'est ça, le problème. Après, les achats compulsifs, personnellement, j'en vois de moins en moins, en animalerie notamment. Euh, ça devient quand même moins fréquent. Euh, les gens, d'abord, euh, sont pas tant que ça animaux, hein, parce que... Pour beaucoup, c'est un fil à la patte, pour reprendre leur expression. Ils ne peuvent pas voyager, etc. etc. Donc, euh, perso, euh, et puis pour avoir été dans euh, le milieu professionnel animalier, euh, depuis, oui, depuis bien 20 ans, ça, ça tombe quand même un petit peu tout ça. Alors, pas forcément le marché chien et chat, mais le marché notamment terrario-aquario, il est en baisse depuis 20 ans, parce que les gens voilà, trouvent que c'est très contraignant, c'est cher, etc., etc., Donc je pense qu'on a quand même beaucoup moins de gens qui font des achats compulsifs. On aura toujours des gens ouais qui vont vouloir acheter un animal vite fait à leurs, à leurs petits enfants en passant dans une animalerie. Mais est-ce que ça va vraiment être des serpents, des, des, des choses comme ça Je ne pense pas. Et puis on en revient toujours au même problème. L'information, c'est essentiel. Euh, je pense que quelqu'un a dû en parler dans le chat, mais du coup il y, y a beaucoup de messages. Mais moi, j'ai toujours été effectivement pour euh, que les personnes qui achètent un animal aient pas forcément l'obligation. Encore une fois, j'aime pas les obligations et les interdictions, ça, ça m'agace. Donc moi, si on m'oblige à faire un truc, je le fais pas. Mais si euh, on, au moins on faisait en sorte que le vendeur animalier en face soit obligé d'expliquer. Entre quatre yeux ou personne, le minimum qu'il faut faire pour avoir tel ou tel animal, poisson, chien, chat, ce que vous voulez, rongeur, euh, lapin, etc. Et qu'en face, le professionnel, ça soit un vrai pro avec un certificat de capacité animaux non domestiques et domestiques, ça irait certainement beaucoup mieux. Alors oui, c'est plus de boulot c'est clair euh, plus c'est pas le stagiaire du coin que ah, vas-y donne les vas-y prends on s'en fout euh, il vous donne le sac et vous partez avec c'est pas comme ça qu'on doit vendre des animaux et ça par contre je suis OK pour la loi pour qu'il y ait un durcissement et que ça soit vendu dans des conditions plus humaines on peut dire enfin si je puis dire Euh, je viens d'adopter des cétoines africaines, que va-t-il se passer Alors pour le moment, rien du tout. Euh, je, vous, je vous le redis, -re -re mais c'est important, je comprends, hein, ce compris le live en cours de route. Euh, on va prendre le temps ce soir, en hein, discuter de tout ça de toute façon. Vous n'avez pas de soucis à vous faire pour les animaux que vous avez déjà, ou que vous allez avoir avant le passage de cette loi. Euh, personne ne vous les prendra, encore une fois, personne ne vous donnera d'amende pour avoir ces animaux-là. Par contre, vous n'aurez pas le droit euh, de vendre euh, ces animaux ou de les euh, donner à un autre amateur. Ça, voilà, c'est simple. Donc pour les poissons que vous avez actuellement, euh, les insectes que vous avez, les oiseaux que vous avez, les serpents que vous avez, si vous avez des scorpions ou que sais-je, pour le moment, tant que c'est légal actuellement, là, il n'y a pas de souci, vous les garderez. Mais attention. Vous pourrez pas en reprendre après si, encore une fois, ça passe. Donc c'est pas sûr. Hein. En gros, faut faire de la reproduction si on veut garder nos poissons. Alors pour le moment, il n'y a pas non plus euh, une grosse urgence, mais effectivement, euh, si vous voulez garder... Euh, une souche de peu importe, hein, des cétoines par exemple, comme on vient de me dire, ou autre chose, euh, ouais, faites des repro. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, si vous avez déjà euh, certains poissons ou autres qui sont peut-être un petit peu rares ou autres, euh, des repro, c'est jamais une mauvaise chose, euh, ne serait-ce que pour diffuser avec euh, les amateurs proches de chez vous, dans les clubs aquariophiles, euh, etc., etc. Donc c'est toujours une bonne chose hein, de faire reproduire les poissons euh, ou autres. Euh, si cette loi est votée, est-ce que tu penses que les prix vont augmenter et comment peut-on faire pour avoir un certificat Alors le certificat de capacité, je vais vous en reparler tout de suite après. D'abord, je vais répondre à ta première question. Est-ce que je pense que les prix vont augmenter si ça passe C'est sûr. C'est sûr et certain. Les prix ont déjà pas mal augmenté. Hein. Depuis 10-20 ans, euh, moi j'ai vu quand même le prix des animaux euh, grimper, euh, que ce soit des chiens, des chats ou ce que vous voulez. Euh, un chien de race maintenant, c'est 1500 euros chez un éleveur. Euh, bon, bah, en animalerie c'était pareil, puisque de toute façon, euh, ces chiens que vous pouviez voir dans les animaleries, ils étaient euh, en provenance d'éleveurs français en général, sauf si les animaleries étaient pas en règle. Ce qui est arrivé. Euh, mais ouais, c'est fort probable que le prix augmente parce que. Ça va se raréfier, va y avoir moins d'espèces de disponibles si on a une liste comme ça qui limite, donc forcément va y avoir plus de demandes, par exemple sur des poissons très simples, euh, pff, je sais pas, que des Corydoras, voilà, pour parler à tout le monde, je veux pas sortir des trucs trop compliqués, euh, je sais pas moi, un Corydoras euh, pygmé, par exemple, un petit Corydoras, euh, bah voilà, celui-là il va devenir plus cher parce que peut-être que son pote qui est un peu plus petit, le poivre sel, il va être sur la liste, donc on on pourra plus avoir que celui-ci. Donc forcément, les animaleries, comme elles auront moins de diversité, elles vont augmenter les tarifs pour pouvoir en vendre un petit peu plus euh, de ce qui sera à dispo. C'est logique. Salut Émeric. C'est déjà les bouchons pour passer un capacitaire, alors j'imagine même pas le bordel pour la suite. Ouais, effectivement, Emeric, euh, c'est. Euh, donc oui. Tu, tu fais bien du coup de me reparler de ça euh, donc le certificat de capacité c'est vrai qu'en ce moment euh, beaucoup de gens beaucoup de gens veulent le passer pour euh, x raisons x espèces que ce soit les, euh, pour pour la terrario on va dire en général ou que ce soit pour pour de l'aquario ou autre ou pour travailler dans des zoos ou que sais-je euh, donc les certificats de capacité il faut faire des dossiers donc des dossiers écrits vous vous présentez euh, votre état civil tout ça tout ça euh, vous bah vous dites que que vous connaissez sur les animaux que vous voulez maintenir. Euh, vous présentez éventuellement euh, bah, votre, euh, votre élevage ou vos racks d'aquarium ou vos racks d'élevage de, 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 de lézards ou de serpents ou que sais-je. Euh, ça, c'est pour l'amateur, donc pour pouvoir avoir un certificat de capacité, pour pouvoir reproduire, etc. Et puis vous avez les professionnels, donc tout, tout, je pense à toutes les personnes qui sont notamment euh, dans l'école d'Emeric. Qui effectivement se forment au métier animalier, et ben bah, en ce moment ça doit être chaud quoi. Je, franchement je vous plains parce que c'est pas évident de savoir si, si vous avez choisi la bonne filière il y a un an ou deux. Euh, donc c'est c'est une situation délicate pour tout le monde. C'est vrai que si tout le monde doit du jour au lendemain passer le certificat de capacité. C'est clair que le certificat de capacité, si vous voulez euh, déposer votre dossier euh, l'année prochaine, par exemple janvier 2021, bah, vous n'êtes peut-être pas prêt de passer en commission parce qu'on dépose un dossier et à un moment donné on va vous convoquer euh, voilà, devant un espèce de jury de professionnel, on va dire, euh, qui vont vous poser des questions, une sorte d'oral, pour voir si euh, voilà, vous êtes... Euh si, si, bah si ce que vous avez marqué dans le dossier est vrai, que vous connaissez vraiment les animaux que vous voulez maintenir ou vendre, etc. Donc là, ça va être bien repoussé, quoi. Si on est obligé de tous passer un certificat pour avoir euh, des cupies ou, ou même euh, de un chien à un chat ou un âne ou je sais pas quoi, ça, ça va pas être faisable, quoi. Ça va pas être faisable. D'ailleurs. Ça, c'est pas encore marqué sur, sur cette proposition de loi. Il n'y a pas encore cet aspect euh, on va forcer tout le monde à passer un diplôme ou un machin. Pour le moment, il n'y a pas encore ça. Si, si, voilà. Peut-être que ça sera ajouté. Il hein. euh, bah faut avoir 18 ans pour avoir un certificat de capacité, tout simplement. Il faut être majeur. Et vous, en tant que youtubeur spécialisé dans le domaine, quel avenir Alors, personnellement, moi, je m'en fais pas trop euh, parce que bah, d'abord, j'ai déjà des animaux euh, et ensuite, euh, moi, j'aime beaucoup l'aquascaping, euh, tout ce qui est plantes également. Euh, donc, si je ne pouvais plus acheter certaines espèces de poissons, bah, j'irais me... voilà, vers les espèces qu'il Est toujours possible d'acheter, euh, et puis bah, si vraiment on pouvait vraiment plus rien acheter, bah à ma foi, je ferais de la quascaping à 100% et il y aurait euh, bah, peut-être de la microphone, encore que peut-être ça on va nous l'interdire aussi, euh, donc euh, des daphnies ou voilà. Mais bon, à l'heure actuelle, personnellement sur ma chaîne, ça m'inquiète pas plus que ça. Euh, je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de temps avant qu'on soit vraiment euh, impacté par ce genre de choses. Il y a plein, plein de choses à faire en aquariophilie euh, qui, euh, qui peuvent euh, être sans animaux, entre guillemets. Donc, c'est pas très. Euh... Enfin, moi, ça m'inquiète pas. Mais je suis pas inquiète de nature. Donc, bon, <laughs> faut pas se baser sur moi. Après, euh, Tanguy, sur la chaîne Toupette, euh, qui a des animaux beaucoup plus diversifiés ou luc de la chaîne blefaris c'est plus compliqué pour eux parce qu'effectivement euh, ils ont déjà besoin d'avoir un certificat de capacité pour certains animaux qu'ils qu possèdent actuellement euh, donc si ces animaux-là en plus on ne pouvait plus les trouver en magasin euh, c'est compliqué effectivement de continuer à parler d'animaux qu'on qu ne peut plus acheter, que, que les personnes, les viewers ne pourraient plus euh, se procurer. Donc après, ça serait un peu bah, juste regarder un, comme un zoo en fait et dire bah, voilà, Regardez mes animaux, euh, vous ne pourrez plus les trouver en animalerie, vous ne pouvez pas en avoir, mais moi j'en ai encore pour le moment. Donc c'est un peu triste comme situation, on est d'accord. Salut Julien, un live dont j'ai raté le début, j'espère le revoir en replay. Il n'y a pas de soucis sur ma chaîne, il y a toujours des replays. Euh, pour les bourses, c'est fini. Alors, les bourses aquariophiles, c'est effectivement euh, un autre problème euh, qui, qui se pose déjà à l'heure actuelle. Des fois, il y a des, effectivement des réflexions qui sont faites sur les bourses euh, aquarios parce que il y a de la vente d'animaux par des amateurs qui n'ont pas toujours de certificat de capacité, euh, qui bah, font un peu de la brocante quoi. Mais c'est toléré. Pour le moment, c'est toléré. Après, avec cette proposition de loi, c'est, je pense que les ventes seront impactés de la même façon, parce que on va tomber sous le coup de la loi euh, la cession à titre gratuit ou onéreux d'animaux de compagnie, nanana nanana, étant donné la liste positive. Donc, il y a des poissons, effectivement, que euh, les amateurs ne pourront plus proposer aux bourses euh, parce que ça sera interdit. Et les associations feront respecter ça parce que sinon, euh, <laughs> c'est elles qui se feront taper sur les doigts, qui des amendes, etc. etc. Donc, euh, bah, c'est partout, quoi hein. C'est tout le domaine, en fait, qui est impacté. Est-ce que la vente de boules à poisson rouge est déjà interdite Ah bah ça, non. Ça, non. Ça, c'est OK. Ça, t'as le droit, euh, dans les animaleries, de proposer une boule avec un poisson rouge. C'est toujours autorisé. Il y a nos soucis. Mais tout va bien. Il faudra le pass sanitaire plus passe capacitaire pour les bourses. Ouais Clément, ça devient compliqué, il faut beaucoup de passes. Donc prévoyez vous 4-5 QR codes, mettez-les sur votre bras, un conseil, comme ça ça va plus vite. Tout le monde flash, tac, 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 tac. Certificat de capacité, passe sanitaire, il euh, y aura quoi le Droit de vote euh, pff, Enfin, ça devient grave. Hein. Euh, salut Joarno. Euh, les animaux hors liste domestique seront-ils totalement interdits Est-ce que quand un poisson pète, on peut le sentir de l'extérieur de l'aquarium Non, alors non. Les poissons ça pète pas normalement. Euh, et puis non, tu vas pas le sentir. Euh, après, euh, pff, c est, c est, voilà. J'ai perdu ta question. Je la retrouve plus. Euh, salut Adrien, ça fait longtemps dis donc. Il risque d'avoir une recrudescence de marché noir des animaux, alors attention de maintien. » Effectivement, euh, c'est clair que si, euh, je sais pas, c'est voté à l'avant la fin de l'année, du coup, bah, euh, on est beaucoup. Enfin, moi je le ferai pas parce que bah je respecte les lois tout simplement mais il euh, y a des gens qui continueront à, effectivement euh, s'échanger des animaux euh, vendre des animaux sous le manteau euh, à des tarifs évidemment excessifs parce qu'on va plus pouvoir en trouver on va plus pouvoir en importer, on va plus pouvoir en acheter euh, donc oui c'est obligé, le marché noir prendra euh, prendra le dessus est-ce qu'après euh, les douanes sont équipées pour euh, surveiller tout ça est-ce que autre question très importante est-ce que cette loi en particulier va être aussi surveillée Parce que je vous le disais euh, au milieu du live, il y a plein de lois en France qui ne sont, euh, sont pas respectées, tout simplement, ou qui ne sont pas appliquées quand vous appelez la police nationale ou municipale parce que euh, bah, on vous a donné ou vendu un poisson rouge dans une fête foraine alors que c'est interdit par la loi, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Il n'y a pas euh, à tortiller, on vous dit pff, on a autre chose à faire. Donc euh, je pense que de toute façon, il y aura autre chose à faire, comme d'habitude, que de s'occuper euh, du marché noir euh, d'animaux euh, plus ou moins inégaux, etc. Donc c'est... C'est encore des choses qui vont pas être terribles. Si c'est comme Adopi, voilà, Adopi, un exemple, effectivement, euh, pas mauvais du tout, euh, pff, le truc euh, qui sert à rien, quoi. Alors, est-ce qu'on aura le droit de continuer à reproduire les poissons, continuer à les élever s'ils sont passés sur liste rouge Alors, je pense que oui, parce que ça, c'est pas précisé. Alors, en tout cas, dans les textes que j'ai lus, euh, c'est pas précisé qu'on n'a pas le droit euh, de reproduire les poissons qu'on a déjà. Donc, déjà, il nous précise que si on a des poissons qui sont plus euh, autorisés, on peut les garder parce que voilà, de toute façon, ils vont pas faire la chasse à tout le monde. Euh, après, c'est pas précisé qu'on n'a pas le droit de continuer à les reproduire euh, chez nous. Donc euh, a priori, il n'y aurait pas de raison d'arrêter de, de les reproduire. Par contre, les vendre ou les donner, ça, ça serait plutôt autorisé. Donc, euh, mais si on a une souche, euh, si on a une souche de crevettes, par exemple, il euh, ne bah, faut pas hésiter effectivement à la garder précieusement et, et à garder cette souche, euh, se reproduire euh, pour garder la souche. Après, on n'est pas à l'abri non plus euh, d'une contre-loi un jour, si cette loi-là passe, euh, qui annule tout simplement des choses parce qu'il y aura eu des abus ou qui se rendront peut-être compte euh, que ça pose plus de problèmes qu'autre chose. C'est possible aussi, hein rien euh, n'est gravé dans le marbre, les lois ça se change, ça se modifie. La preuve, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'il y a plus de chances que ça passe ou que ça ne passe pas Honnêtement, il y a un an, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit Ouf, il y a quand même plus de chances que ça ne passe pas. Ou en tout cas, pas en totalité ou pas comme ça. Actuellement, euh, ça s'est drôlement accéléré. Il y a des choses qui ont été euh, euh, enterrinées hyper rapidement. Voilà, donc. Euh... C'est compliqué. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des lobbies de dernière minute pour forcer un petit peu les choses et tout C'est difficile à dire. C'est franchement difficile à dire. Là, il faudrait avoir une boule de cristal. Il est interdit d'interdire, si seulement c'était vrai. Renouveler le matériel génétique sur des espèces qu'on élève euh, qui sont non domestiques ne sera plus possible. Bah, si l'espèce les, que, que tu élèves euh, est sur une liste à la noix, là euh, bah non, du coup, ça va être compliqué. Ou alors, si, tu pourras le faire, mais euh, sous le manteau. C'est-à-dire qu'il faudra que tu trouves euh, discrètement, sur le dark web ou je ne sais pas, j'exagère à peine, euh, des, des, des gens qui en, qui en possèdent et qui pourraient éventuellement te donner un mâle ou une femelle pour continuer à renouveler euh, ton, ton, ton patrimoine génétique sur ta souche. Mais euh, c'est vraiment ce qui est visé le plus. Euh, c'est pas tellement... L'élevage amateur, c'est vraiment le commerce. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont vraiment une dent contre le commerce animalier. La preuve, puisque la première chose qui a été entérinée, c'est l'interdiction de vente euh, de chats et de chiens et de chats dans les animaleries directement. Euh, donc, ils ont vraiment ça en tête. Euh, ce qui apparemment les titille pas mal aussi, c'est euh, la vente par correspondance d'animaux. Euh, donc, a priori, ça, c'est un truc aussi qu'ils qu ont vraiment envie de, de faire passer. C'est pas, pas simple hein, tout ça, et encore une fois, on a des infos, mais on n'a pas tout. Je vous mettrai encore hein, tout ce qu'il faut dans, dans la description. Je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat, euh, je ne sais pas si je peux faire comme ça, je vais vous mettre le lien de la Fédération française d'Aquariophilie, où j'ai trouvé... Non, bah, je le mettrai tout à l'heure, euh, mais je vous mettrai tout ce qu'il faut pour que vous puissiez bien voir ce qui, ce qui serait éventuellement en place euh, d'ici assez peu de temps, en fait. Je trouve ça bizarre ce sont des animaux tous d'élevage et ils traitent ça comme du braconnage ben oui c'est ça qui est euh, qui est triste en fait euh, c'est qu'on est vraiment tous vus euh, par euh, ces associations là euh, comme des méchants vraiment comme des braconneurs comme des personnes euh, qui font qui se font de la thune euh, sur les animaux alors que la plupart d'entre nous on maintient juste nos animaux et c'est tout euh, si vous élevez des crevettes, vous allez en vendre pour 10 euros une fois par an et c'est tout. C'est pas non plus, vous n'allez pas être riche. Et ceux euh, qui euh, commencent à voilà, être vraiment être très très passionnés, eh ben, ils voilà, il passent un certificat de capacité, ils font une petite pièce exprès aux normes et voilà, ils sont déclarés, ils payent leurs impôts, euh, leurs cotisations sociales, euh, ils sont dans les règles. Donc euh, je comprends pas trop. On a l'impression effectivement qu'on qu est euh, dans des pays, euh, dans un pays euh, euh, où on braconne tout, euh, on fait de la, de la traite d'ivoire. Je, je comprends pas trop non plus pourquoi d'un euh, seul coup on veut nous interdire tout ça. L'argent-papier fini, puce sous la peau. On en vient, on y vient, on y vient. On a déjà les QR codes, alors les puces, c'est pour pas très longtemps. Hein. Alors je vous mets un petit sondage, mais je me doute un petit peu, mais ça va permettre quand même, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de donner votre opinion. Est-ce que vous êtes pour ou contre une liste positive Vous pouvez répondre dans le chat. Euh, donc si vous, avez, si vous répondez non, c'est que vous ne voulez pas de liste euh, qui vous interdirait quoi que ce soit. Euh, si vous répondez oui, euh, c'est peut-être que vous trouvez que certains animaux, peut-être, euh, ont leur place sur des listes où on va vraiment interdire la commercialisation. Mais encore une fois ça existe déjà il y a déjà des lois qui nous interdisent la commercialisation la détention de certains animaux euh, donc c'est pas nouveau nouveau là c'est juste qu'on veut vraiment élargir et je pense que le but effectivement comme j'ai lu dans, dans le chat, c'est pour certains de vouloir nous interdire d'avoir des animaux de compagnie tout court. Euh, c'est euh, ça le but, c'est vraiment qu'on n'ait plus d'animaux de compagnie, euh, qu'on n'ait euh, pas d'animaux en captivité. Mais après, la captivité, tout est relatif. Hein. Il y a des fois des animaux qui sont plus protégés en captivité euh, que dans leur milieu naturel qui est complètement dévasté à l'heure actuelle par les humains. Alors, est-ce qu'il faut vraiment euh, tout interdire et puis laisser les animaux mourir dans la soi-disant nature euh, que les humains euh, massacrent C'est pas évident. Hein Mais, voilà, vous répondez en votre âme et conscience sur le sondage, je ne jugerai pas. C'est juste pour avoir euh, une opinion générale. Qu'adviendra-t-il des sociétés comme Flore Aquatique si l'invente par correspondance est interdite Alors, pour le moment. Le texte précise les vertébrés. Donc, a priori, les poissons, finis, ils ne pourraient plus en vendre. Par contre, les crevettes, les écrevisses, les escargots, les plantes, ils peuvent continuer à en vendre. Donc, a priori, pour Flore Aquatique en particulier, je m'inquiète pas trop. Euh, pour euh, des sociétés qui auraient plus, euh, on va dire, euh, leur cœur de métier serait plus la vente par correspondance de poissons ou autres vertébrés, là ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis après, si ils se rendent compte que les crevettes et tout ça, ils veulent mettre ça aussi dans, dans la catégorie animaux de compagnie, bon bah là effectivement, bah, les fleurs aquatiques ne vendraient plus que des plantes et du matériel. contre, mais je ne suis, suis d'accord que certaines espèces non plus n'ont rien à faire en animalerie, exemple les plecos. Alors c'est pour ça aussi que je vous demande votre opinion, oui ou non, parce qu'effectivement, on peut juger, et je suis d'accord, les plecos par exemple, euh, n'ont rien à faire en animalerie, parce qu'en France, la grande majorité des personnes qui fréquentent les animaleries ne vont pas avoir la place suffisante pour euh, accueillir des plecos Voilà. Euh, des, des poissons qui font 40, 50 cm, euh, des poissons d'eau chaude, hein, pas des poissons qu'on va pouvoir mettre en bassin, à moins d'habiter dans le sud, hein, je sais, il y a le réchauffement climatique et tout et tout, mais bon, en général, on vous les vend pour les aquariums. Donc ça, c'est pas cool. Mais ça, c'est encore aussi un problème qui vient des animaleries, parce que, admettons, moi, j'ouvre une animalerie demain, je vais pas avoir dans l'idée de commander des plécostomus. Si les clients viennent me voir, « Salut Annie, je voudrais un pléco, c'est super joli, j'en ai vu des beaux sur Internet », je dirais « Non ». Non, pour moi, c'est pas adapté, euh, sauf si tu as un aquarium de 5000 litres. Mais qui a un aquarium de 5000 litres en France, franchement Très peu de personnes. Donc, je ne vais pas prendre ce style de poisson en stock, parce que pour moi, c'est pas euh, bien de vendre ces poissons, parce que voilà, après, qu'on puisse en avoir sur commande, quand on a un client, qu'on connaît, qui connaît certains poissons, etc., ça, c'est possible. Mais c'est vrai que les animaleries prennent tout et n'importe quoi en stock. Pour avoir le plus de bonbons possibles euh, de disponibles dans le magasin. Et ça, c'est dommage. Toutes les animaleries sont pas comme ça. Il y a des animaleries qui sont vraiment pros, les petites animaleries notamment, qui connaissent les poissons et qui font pas n'importe quoi et qui vont pas vous proposer n'importe quoi. Et qui vont vous dire non non, pas un pleco, un ce c'est pas le même poisson. Ils vont vous expliquer. Mais malheureusement, encore une fois, c'est un problème d'info, ça. Et je crois qu'on pâtit tous un petit peu euh, bah, des... du laisser aller un petit peu de certaines, euh, certaines chaînes, notamment, que je ne citerai pas. Mais vous savez tous à peu près de quelles chaînes on parle. Euh, pas de chaînes YouTube, attention. De, de chaînes d'animalerie euh, qui, effectivement, bah, sont là, effectivement, pour vendre. Uniquement et pas pour conseiller. Mais, encore une fois, on ne vend pas des animaux comme on vend euh, des télés. Euh, bonsoir Andrea euh, j'ai acheté un piton qui doit rester en animalerie jusqu'à fin novembre, pourrais-je le récupérer? Je pense que oui. De toute façon, si la loi, admettons, paf, allez voter, tac 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 la liste elle sera pas faite tout de suite. Il va falloir du temps, le décret, il va pas apparaître avant 2-3 euh, mois. Il va falloir réunir une soi-disant commission, gna gna gna. Euh, ils vont se mettre d'accord pour les trucs. C'est long, hein, tout ça, c'est très très long. Cette proposition de loi, elle traîne depuis bientôt 2 ans. L'année dernière, ça a été, enfin, au bout d'un an, donc l'année dernière, 2020, décembre 2020, ils ont voté une partie. Et puis, depuis un an, c'est en tractation pour tout le reste. Donc, vous voyez, c'est pas pour tout de suite non plus. Il euh, y a des choses qui peuvent être actées. Et puis après. Euh, euh, par exemple je vous prends un truc tout con vous avez tous subi le confinement le premier quand on a dit hop 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 tout le monde confiné on a laissé quelques jours aux gens euh, de battements on leur a pas euh, tout de suite euh, collé des amendes parce qu'ils étaient dehors on a laissé un petit peu de battements bah là ça sera pareil donc si tu as acheté un python il euh, n'y a pas de souci tu vas le récupérer Salut François, les chaînes de jardinerie qui ont mis la main euh, sur le secteur animalerie font-elles du tort à l'aquariophilie et terrariophilie Alors certaines oui. Euh, certaines oui. Euh, et quand je dis certaines, c'est pas certaines chaînes, c'est certains magasins de ces enseignes, enfin de ces. Euh, comment ça s'appelle déjà ah, je ne sais plus. Bref, vous avez des enseignes, des grosses enseignes, et puis euh, voilà, après il y a des directeurs de magasins dans différents trucs, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Les franchises, voilà. Les franchises, donc vous avez des franchises de... De voilà, ces trucs-là, on va pas dire les noms parce que j'ai pas envie, euh, mais euh, oui, il y a certains magasins qui sont hyper mal gérés, clairement, euh, et qui font du tort parce que euh, bah, les animaux sont maltraités, donc forcément, bah ça donne du grain à moudre à toutes les associations de défense animalière, et c'est normal, euh, je les blâme pas du tout euh, de dire, dis donc, là-bas les animaux sont maltraités, et ça c'est logique, on, on peut pas faire autrement que, que d'être d'accord, mais du coup il suffit de deux trois moutons noirs euh, mais il y en a plus qu'un deux, trois malheureusement euh, pour faire du tort à toute une filière donc euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malheureusement de vendeurs en animalerie euh, bah, qui voilà, qui se font discrets sur internet parce que il euh, y a une mauvaise réputation quoi tout simplement et, et c'est chaud quoi c'est chaud parce que euh, au final les gens n'ont plus confiance quand ils vont dans un magasin d'animalerie, ils n'ont plus confiance. Je reçois des tonnes de messages tous les jours. Euh, Salut, je te pose la question parce que euh, mon vendeur animalier, il raconte que des conneries. Euh, je me suis rendu compte qu'il m'avait dit n'importe quoi. Donc. Euh... C'est triste parce que moi ça a été mon métier. Donc, euh, mais qu'est-ce que vous voulez faire C'est aussi au secteur de se bouger. Je le disais tout à l'heure, ils se sont pas bougés à temps. Ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils sont restés tranquilles ou ils ont stagné. Euh, les petits indépendants ont essayé de faire des trucs bien. Euh, et puis malheureusement, bah, les gros chaînes, euh, ils font pas d'efforts. Ils font clairement pas d'efforts. Donc, euh, si au moins ça pouvait les faire bouger, ça serait déjà pas une mauvaise chose. Alors vous êtes encore très nombreux hein, sur, euh, sur, le, sur le chat, c'est assez rare, 400. Euh, donc, euh, bah, j'espère que ça vous saoule pas trop tout ça. Euh, mais c'est vrai que c'est un sujet très particulier. Il euh, y a de quoi s'en faire. Après, nous, en tant qu'aquariophiles, et comme vous, vous regardez beaucoup de chaînes, je pense, d'aquariophilie, terrariophilie, animaux de compagnie, euh, vous êtes au courant de ça parce que, ben bah, voilà, nous, on en parle. Euh, et puis, vous êtes au courant. Mais il y a plein de gens. Qui ont des chats, des chiens, mes voisins et tout ça, ils sont pas au courant de cette loi. On en parle assez peu au final. On, on voit ça que sur euh, bah, les, les, les associations de défense animale ou sur euh, des chaînes comme la mienne. Euh, mais sinon, euh, les personnes lambda sont, sont, sont pas trop trop au courant hein, de tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y en a qui, qui vont tomber des nues un jour en disant :« Bah tiens, ah bon, vous vendez plus euh, tel ou tel poisson ben, Vous en aviez plein avant. Ah bah ouais, mais non, la euh, moitié qu'on n'a plus le droit de vendre. » Donc c'est euh, aussi ça. On n'est pas tous au courant. Alors le live est... Principalement sur la loi 36, enfin sur le projet de loi euh, 3661. Je pense, euh, j'espérais je, avoir un petit peu de temps pour vous parler d'autre chose. On va voir si vous avez encore des questions là-dessus, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas. Euh, c'est de l'actu, c'est pas souvent qu'on a de l'actu sur ce genre de choses. C'est dommage d'avoir de l'actu sur ce genre de choses, mais bon, n'hésitez pas. Euh, et puis si je vais essayer quand même de faire un petit un petit quart d'heure, une petite demi-heure où je vais répondre à vos questions. Euh, pourrez-vous faire un débrief rapide après le vote alors je vais voir ce que je vais trouver comme, euh, comme info d'abord, parce que je ne suis pas sûr, euh, moi j'ai pas la chaîne, je ne sais plus, je crois qu'il y a une chaîne, Assemblée Nationale ou une, un truc comme ça. Je ne sais même pas si je l'ai. Euh, donc je verrai ce que je trouve comme info. Euh, après, il n'y a pas que moi qui vous tiendra au, au courant. Je pense que Tanguy et Luc, euh, notamment, il hein, n'y a pas que deux, je pense, qui ont qui ont parlé de ça. C'est juste que voilà, je, je sais que tous les trois on, on en a parlé. Il euh, ne faudra pas hésiter non plus à suivre leur chaîne pour avoir des petites infos, leurs leur réseaux sociaux. Euh, donc, euh, mais moi j'essaierai de vous tenir informé aussi. Euh... Le président a un chien et des poules, donc il ne voudra pas que cette loi soit votée. Après, euh, le président, le chien, on lui a offert, euh, les poules, à mon avis, aussi. Peut-être que voilà, hein, c'est. Pour le moment, c'est ce que je vous dis. Au début, on va pas forcément interdire tout. Mais ça va, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, des petites listes. Les listes, c'est jamais bon dans l'histoire et à chaque fois qu'il y a des listes c'est pas bon alors l'interdiction de vente de chats et de chiens en animalerie c'est déjà fait c'est fini ça Pourquoi ne pas faire un tuto pour les jeunes et justement éviter qu'ils ne fassent de bêtises en prenant des animaux sans réfléchir Alors, Alain, tu sais, il y, y a des tutos, euh, que ce soit sur ma chaîne ou les chaînes d'autres YouTubeurs, on a tous, euh, à notre petit niveau, fait des tutos pour informer au maximum. Euh, moi, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, où j'essaie de, de montrer aux gens que c'est pas rien d'avoir un aquarium, etc., il y a toujours des rabats pour me dire Ouais, on fait ce qu'on veut. Voilà. Bon, après. Okay. On peut pas faire plus. Personnellement, je ne peux pas faire beaucoup plus. Euh, si vous voulez tel ou tel poisson, il y a les fiches fiches qui vous expliquent sur ma chaîne, en tout cas, euh, qui vous expliquent les paramètres de maintenance, ce qu'il faut faire euh, dans les grandes lignes. Euh, après, euh, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus notre rôle, euh, enfin en tout cas mon rôle, de remplacer un vendeur en animalerie. Et malheureusement, je le fais assez souvent. Euh, J'ai des personnes qui m'appelle sur Instagram le dimanche soir pour me demander des infos. Alors je vous le dis tout de suite, je ne prends pas les appels sur Instagram, donc ça tombe dans le vide. Mais du coup, après, bah, on me demande d'urgence de, des réponses parce qu'ils ont des poissons avec un aquarium qui n'est pas adapté, euh, etc., etc. Pareil quand un poisson est malade. Mais ce n'est pas mon rôle. Pas, malheureusement, ce n'est pas à moi de faire ça. Euh, C'est la responsabilité de la personne qui vous vend l'animal. Moi, j'essaie de vous aider au mieux que je peux, euh, mais je ne peux pas me substituer à tous les vendeurs animaliers, euh, notamment en aquariophilie de la France. Euh... L'animalerie animaliste, s'ils vendent encore des chiens. Alors, je crois euh, que dans certaines animaleries, en fait, ce sont des chiens qui proviennent de, de la SPA ou de refuges divers et variés. Euh, parce que ça, c'est aussi dans la loi, euh, dans le projet de loi, c'est... il euh, y a une dérogation, justement, de prévue que les animaleries puissent euh, vendre ou faire adopter, comme vous voulez. Mais bon, moi, c'est vrai que quand on me dit euh, bonjour! vous voulez adopter un chien c'est 150 euros eh ben, j'ai quand même l'impression de l'acheter ouais, je fais une bonne action mais bon quand même quoi c'est pas c'est pas rien mais je comprends hein, c'est pas un reproche je comprends tout à fait qu'il fallait payer pour les soins le vétérinaire tout ça je comprends tout à fait mais bon je l'achète c'est pas gratuit donc euh, c'est peut-être ça c'est peut-être tout simplement des animaux qui viennent d'un refuge voilà après si c'est pas le cas ben c'est pas normal. Bonsoir Laurent, habitant en Belgique, je ne suis pas concerné par ce projet de loi, mais suite aux abus, cela n'est-il pas, pas un bien fait dans l'intérêt de l'animal, mais restez vigilant pour la suite. Bien sûr que c'est un bien, hein. c'est ce que, ce que j'ai dit au début du live, puis j'ai dû le répéter. J'ai jamais dit que toute la, tout le projet de loi était mauvais, et, et puis il n'y a pas que moi, hein. on est beaucoup à le penser, évidemment qu'il y a des trucs qui sont très très bien, euh, qu'il était temps euh, que ça arrive, mais... Il y a aussi euh, un petit peu d'exagération, de stigmatisation, encore une fois, de toutes les personnes qui ont des animaux. Euh, c'est quand même malheureux. Donc, quand vous écoutez le discours des associations euh, extrémistes, bah, on est des torsionnaires. Moi, j'ai des poules, je les exploite parce que euh, j'ai des œufs. Bah, je vais pas les empêcher de pondre des œufs. Mais voilà, si on les écoutait, je devrais pas avoir de poules. Parce que je les exploite, parce que c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. C'est là où pour moi c'est exagéré. Donc c'est ça le problème, c'est d'exagération. Euh, on n'est pas tous des vilains, encore une fois. Et si on était tous bien informés, je pense que si on informait correctement les gens euh, quand ils vont acheter des, des animaux en animalerie, il bah, y en a beaucoup qui diront Ah oui, non, bah non. Vous voulez un discus Bah ouais, mais c'est 1000 litres. Ah bon bah, si j'en prends qu'un Bah oui, mais non, ça vit pas tout seul. Ah bon bah, bah non, bah, je vais en prendre un quand même. Bah non, je ne vous le vends pas. Ben voilà C'est ça le truc. C'est qu'il faut informer, faut qu il faut qu'il y ait un dialogue, il euh, faut, faut vraiment qu'il y ait euh, une professionnalisation plus euh, élevée. Et que les gens aussi euh, se responsabilisent et arrêtent aussi de rejeter la, la faute sur, euh, sur les autres quand ils ont fait une connerie avec des animaux. Parce que ça, je le vois souvent aussi. Oui, c'est vrai, Madward, on entend des thèmes assez, assez forts, hein, esclavagisme, viol, etc. Encore une fois, c'est un mouton noir, euh, un, une personne qui est pas bien dans sa tête, qui va faire euh, de la maltraitance animale, et on en déduit que forcément tous ceux qui ont des animaux sont comme ça. Mais heureusement que non, ça serait quand même euh, triste, et je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup d'animaux euh, sur Terre, d'ailleurs, si c'était le cas. Donc, euh, c'est quand même. Euh... Du gros n'importe quoi. Euh, certains refuges animalistes séparent les coqs des poules pour éviter les viols et donc la douleur de la pompe pour la poule, c'est en Espagne. Mais t'as pas besoin d'un coq, hein <laughs> J'ai pas de coq Les poules, elles pondent des oeufs. c'est la nature, j'y peux rien. Euh, y a pas besoin de coq pour ça. Donc, euh, et bon. Mes poules n'ont pas l'air de souffrir le martyr en pondant un oeuf. Je suis une femme, donc je sais ce que c'est que d'avoir mal au ventre. Euh, voilà, c'est... on va pas non plus... Euh, c'est la nature, quoi. À quand le certificat de capacité pour un enfant Bah oui, on pourrait aussi dire qu'il y a des gens qu'on aurait besoin, donc euh, ça peut aller très loin. Et oui, Emery, on le sait que ton chat est martyrisé, on le sait, on l'a vu, avec sa litière de luxe, en seule technique. Donc voilà, c'est vrai que dans ce live, je vous aurais donné quand même pas mal mon avis. Euh, bon, bah c'est comme ça, c'est normal aussi. Hein. Après... À vous de voir euh, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si, euh, D'ailleurs, on va regarder un petit peu euh, le sondage. Euh, donc, pour ou contre une liste positive, vous êtes 17% à dire oui. Euh, donc, bah, c'est votre avis. Il n'y a pas de souci. Euh, je prends en compte cet avis. 83% à dire non. Donc, quand même, euh, 80% de personnes qui, qui sont contre ce type d'interdiction. Et, euh, et pour les autres, bah, je pense que... Je parle à votre place, je m'en excuse, mais je pense que, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que, pour vous, certaines espèces, effectivement, devraient être interdites. Mais ça, c'est, encore une fois, déjà le cas. Donc, euh, est-ce que les espèces actuellement autorisées devraient vraiment être interdites Tout ce qui est, par exemple, espèces dangereuses pour les humains, euh, c'est pas si facile que ça d'en avoir. Euh, on n'en a pas, euh, voilà, sous le sabot d'un cheval. Certains sont vraiment interdits, certaines espèces sont vraiment interdites, donc... Voilà bah après je tiens compte du vote, hein. pas de problème. Euh... Alors, pour ceux qui veulent effectivement écrire euh, au Sénat, aux députés, etc., euh, dans ce cas-là, euh, dans chaque région, hein, pour euh, peut-être les plus jeunes d'entre vous euh, qui ne sont pas encore euh, trop politiques, euh, vous avez un député dans chaque région. Par exemple, chez moi, bah, le député de ma région, il se trouve que c'est le maire de ma commune, donc euh, voilà, euh, qui est assez connu d'ailleurs, mais bref. Euh, donc, n'hésitez pas à écrire à votre député. Euh, pour lui euh, l'informer que vous n'êtes pas trop pour ce texte de loi et que, euh, voilà, éventuellement, vous ne voulez pas trop euh, qui vote pour ça. Il euh, y a des textes qui, qui existent déjà, des, euh, des modèles. Euh, je vous mettrai ça dans la description. Hein, je prendrai tout simplement les liens que, que Tanguy et Luc ont mis dans leur description. Euh, vous pouvez aller les voir sur leur vidéo. Euh, voilà, donc euh, le Il y a des modèles de lettres à envoyer. Sur le site de la Fédération française d'aquariophilie aussi, il y a des modèles de lettres à envoyer. Donc, n'hésitez pas à leur dire que vous êtes contre ce truc-là, contre cette, euh, cette liste positive et que vous aimez vos animaux, surtout. Ça, c'est très important. Précisez bien que vous aimez vos animaux. Euh, continuez avec le hashtag euh, Touche pas à mon animal. Euh, si vous le pouvez, une petite photo avec votre animal. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire encore, mais je vais le faire euh, très bientôt. Je vais poster ça sur les réseaux pour bien montrer qu'on est beaucoup à aimer nos animaux et, et qu'on veut les protéger nous aussi. Merci beaucoup, Toto, pour, pour le super chat de 5 euros. Après, malheureusement, ça, ça fera pas avancer beaucoup contre, contre ce projet de loi un peu, un peu bizarre. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour le soutien. Euh, si la réponse est non, le 26, on est sauvé. Bah écoutez, on verra, j'essaierai de vous tenir au courant là-dessus. Donc je vais fermer la parenthèse euh, de, de ce projet de loi. Je pense que bah, ça va. Oui, ça fait une heure, plus d'une heure et demie que je vous en parle. Donc euh, je pense que ça va être bon, on a fait le tour. Euh, S'il y a besoin d'en reparler, on en reparlera de toute façon. Je referai un live à, au besoin, voilà, tout simplement. Et bah, je vais réserver les 20 minutes qui reste on va pousser jusqu'à 20h euh, les 20 minutes qui restent à vos questions aquario par contre je vais juste faire une toute petite pause parce que j'ai plus rien dans ma tasse et j'ai un petit peu soif donc euh, je vous reprends dans moins d'une minute à tout de suite Voilà, de retour. Ça va un petit peu mieux. C'est long de parler une heure et demie comme ça. Je n'ai plus l'habitude. Euh, alors, donc maintenant, on va parler un petit peu d'aquariophilie on va détendre un petit peu tout ça. Euh, pour le moment, on a toujours le droit d'avoir des poissons, donc profitons-en. Euh, donc, si vous avez des questions sur à propos de vos aquariums, que vous avez un petit problème de quelque chose ou autre, n'hésitez pas c'est le moment. Euh... Alors, on commence fort avec des problèmes d'algues. J'ai un problème d'algues rouge Bordeaux dans mon bac amazonien. Que dois-je faire euh, Alors, Léon Camel, il faudrait que j'ai plus d'infos sur ton bac pour pouvoir te répondre. Euh, Est-ce que ton bac est récent Est-ce que tu utilises de l'eau du robinet Qu'est-ce que tu as comme poisson Filtration, etc. Euh, au niveau des algues, on a besoin de plein d'infos pour pouvoir répondre. Ça va, tu as meilleure mine Ah, je ne sais pas si je suis meilleure mine. Euh, salut Lucien, pour mon aqua, est-ce que je peux mettre des crevettes caridina avec un couple de colisana, colisana, pardon, euh, sans qu'ils se fassent manger Merci à toi. Euh, moi, je tenterai pas. Je tenterai pas personnellement. Elles vont peut-être pas se faire manger, manger tout de suite, mais à un moment donné, euh, voilà, c'est des petits prédateurs quand même. Euh, même si on appelle ça des colisas nains, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas prédateurs. Donc euh, perso, je ferais pas. Même des Caridina, euh, c'est pas parce qu'elles sont grosses. Hein. Euh, quel poisson es-tu la plus fière d'avoir réussi sa reproduction Alors, c'est vrai que je ne pratique pas l'aquariophilie euh, dans le but de faire beaucoup de repro Il y, y a plein de gens qui font ça et, et c'est cool euh, parce qu'il faut avoir pas mal de place, etc. Qu'est-ce que j'ai reproduit où j'étais contente euh, Ça doit être des tétras noirs euh, parce que tout ce qui est tétras, c'est pas facile à reproduire, ça fait des tout petits œufs, c'est complexe, faut les mettre un petit peu dans le noir, etc. Après, les les alvins sont tout petits petits, donc faut les nourrir avec des, des tout petits aliments. Euh, donc j'étais assez contente. Euh, en général, tout ce qui est euh, Tetra, quand vous réussissez à les, à les, à les reproduire et à avoir euh, pas mal de petits alevins, c'est cool. Après, ça, ça fait longtemps. Euh, là, actuellement, j'ai plus trop le temps de, de faire de l'élevage, malheureusement. Euh, donc, c'est vrai que vous en voyez assez peu sur la chaîne parce que euh, bah, voilà, j'ai plus euh, le temps pour faire de l'aquascaping euh, et puis j'ai un peu moins de place aussi. Donc, euh, c'est pas dit que je reprenne pas quelques reproductions. Euh, mais pour le moment, euh, à part les crevettes, euh, j'avoue que je ne reproduis plus grand chose. Euh, même les bétas, là, pour le moment, je ne reproduis pas. Idem, euh, une histoire de place, parce qu'après, il faut mettre les, les jeunes dans différents petits bacs. Euh, donc, euh, c'est toute une organisation. Euh, D'ailleurs, vous remarquerez que c'est rare quand un aquariophile fait. De la repro et de l'aquascaping et euh, autre chose. On a tendance souvent à se spécialiser tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire en aquariophilie. Il faudrait énormément de place, énormément de temps. Et ça, euh, bah, ce n'est pas évident. Hein. En France, on a des petites habitations et puis on bosse tous généralement. Euh, donc euh, c'est chaud. Euh, Est-ce que ça avance mon prochain aquascaping oui, ça avance. Ça avance, euh, mais euh, pas aussi vite que je voudrais, euh, parce que j'ai des trucs à faire, mais euh, ça avance quand même bien. J'ai reçu le hardscape. Euh, ça avance pas mal. Euh... Bonsoir Sophie, allez-vous faire un live avec Tanguy Alors ça, vous aurez la surprise, peut-être oui, peut-être que non. Euh, Puis-je mettre un couple de Ramirezy et un couple d'Apisto Opal Borelli À quoi 120, 40, 60, bien planté Oui, j'aurais tendance à dire oui. Euh, faudra leur aménager de chaque côté du bac, euh, un petit coin pour qu'ils puissent avoir des petites cachettes, qu'en fait, qu'ils puissent fait, faire leur petit territoire. Et normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Après, tu auras peut-être de temps en temps les deux mâles qui vont se rencontrer, et qui vont se dire Oh, qu'est-ce que tu fais là euh, Mais logiquement, si tu sépares bien euh, les deux bas, car je dis pas de mettre un truc au milieu, mais vraiment de, de, de faire en sorte d'avoir deux euh, belles caches de chaque côté de l'aquarium, ça doit pouvoir se faire. 10 litres pour un bêta c'est bien ou pas Romain Non c'est pas ce qu'il y a de mieux, euh, surtout si vous voulez un bêta euh, avec un aquarium euh, voilà juste pour le bêta. Euh, si vous faites de la reproduction, si vous faites de l'élevage de bêta, euh, bah oui, forcément, vu qu'il faut beaucoup de petits bacs, un euh, ça peut être faisable pour séparer les jeunes, etc. etc. Donc ce sera des solutions provisoires hein. quand on fait de l'élevage, ça ne va pas rester comme ça euh, toute la vie du poisson. Mais si vous voulez avoir un bêta chez vous pour votre aquarium euh, principal, entre guillemets, je vous conseille plus un 30 litres, 40 litres, c'est quand même beaucoup mieux. Vous aurez plus d'espace pour ce poisson, tout simplement. Il faut quand même que ça nage un minimum. Et 10 litres, c'est vraiment petit. Euh, quelle taille de bac faut-il pour n'élever que des gros escargots d'eau type escargot pomme, l'ampulaire géant euh... Alors pour ces aquariums-là, euh, pour ces escargots-là, pardon, euh, si tu arrives à en trouver déjà des ampulaires, parce que c'est pas forcément évident en France euh, d'en trouver, puisque les ampulaires golden avaient été interdits, d'ailleurs je crois qu'ils sont toujours interdits, euh, bah, si tu arrives à en trouver, euh... je réfléchis, mais un aquarium de 50 litres pour un, un ou deux, euh, après c'est déjà pas mal. Euh, ils seront plus à l'aise évidemment dans un aquarium euh, de 80 cm, 1 mètre de longueur, euh, mais dans un petit 60 litres tu peux déjà en avoir un qui va pondre. Euh, J'avais un ampulaire gold euh, à mes tout débuts et oh, mon 60 litres il était plutôt pas mal et il pondait régulièrement donc euh, voilà je dirais que c'est la taille minimale minimal. Alors si tu veux que ça par contre et si tu veux vraiment les élever dans le but d'avoir de la repro, un 100 litres. Un 100 litres ça serait quand même mieux. Euh... J'essaie de trouver des questions un petit peu originales par rapport à d'habitude. En plus, je vois que vous vous répondez entre vous, donc c'est bien. Euh... Euh... Marie Sonneur, salut à toi. Euh, J'adore tes vidéos, merci beaucoup. J'ai une petite question. Quelle remplaide pourrais-tu me conseiller pour un aquarium de 100 litres avec beaucoup de plantes type Amazonien alors, un type amazonien, euh, ça dépend. Il y a plusieurs types amazoniens. Si tu veux faire un amazonien plutôt biotope, tu n'auras pas besoin d'une remplète très très puissante euh, puisque tu ne vas pas mettre beaucoup de plantes en fait. Hein, tu auras plus de sol euh, et de feuilles mortes sur le, sur le sol. Euh, après, si tu pars sur un type amazonien comme on l'entendait dans les années 90-2000, euh, c'est-à-dire un, un aquarium euh, somme toute bien planté, euh, qu'est-ce que je pourrais te conseiller Ça dépend. De ton budget, évidemment. Il euh, y a les rampes chi Rose qui sont pas trop chères, de bonne qualité, qui éclairent correctement. Euh, donc la série, je crois, A, je sais même plus. Euh, la série A qui est pas mal et qui a un prix raisonnable, surtout pour un aquarium de 100 litres qui doit faire euh, à peu près, tu dois avoir euh, 80 cm de façade peut-être quelque chose comme ça donc une rampe de 80 cm une chi rose Après si tu as un peu plus de budget tu peux partir sur une twin star elles sont très très bien donc là sur le choix des rampes LED il euh, y a effectivement euh, la longueur qui rentre en compte, le, la pu, enfin, pas la puissance, la, la luminosité. Et puis, il y a beaucoup le budget hein, qui va y faire, parce que les remplaids c'est encore assez cher. Euh, donc, faudrait effectivement me donner un budget. Après, je n'ai pas en tête tous les modèles. Il y a énormément de remplets qui sont sortis sur le marché depuis... Pff, depuis 4-5 ans, des, des marques de partout. Euh, c'est c'est très euh, la jungle. Franchement, c'est la jungle. Euh, mais euh, c'est le genre de questions qu'il faudrait plus me poser euh, en privé, que j'ai le temps un petit peu de, de regarder suivant les budgets. Et puis en plus, après, faut choisir le magasin, etc. Pas toujours évident. Euh, la rampe Nicroo est géniale pour un petit budget de 50 euros. Alors, personnellement, les rampes Nicroo, moi, j'aime pas. J'adhère pas du tout. Euh, je les trouve très, très mauvaises. Je les ai vues chez un ami. J'aime pas. Mais bon, si ça convient à certains, tant mieux. Hein. Chacun son opinion. Mais moi, ce sais pas mes, mes rampes préférées. Euh, par contre, il y a des micmolls. Je sais, le nom est naze, mais c'est pas moi qui ai choisi. Euh, Micmol, donc comme ça se prononce, M-I-C-M-O-L, euh, qui sont, je crois, dans les prix des des, euh, des micros et qui sont plutôt pas mal. Euh, pourquoi bah Parce que moi, je trouve que les, les rampes micros ont des LED qui sont beaucoup trop bleues. Ça tire beaucoup trop vers le bleu et c'est des LED qui ont quand même... Beaucoup tendance à favoriser les algues. Alors, euh, c'est pas forcément tout de suite euh, que ça va favoriser les algues, euh, mais ça peut rapidement te faire un, un, petit, un petit quelque chose, euh, des algues filamenteuses euh, ou tout simplement euh, des algues pinceaux si ton pH est un peu élevé et même un peu de, de cyano. La cyano euh, apprécie particulièrement la lumière bleue. Donc, euh, voilà, j'aime pas trop. Moll, ça vend du rêve. Ah ouais, non mais carrément. Je vous jure, les, les, les marques, des fois, euh, l'autre jour, j'ai vu une marque aussi, mais je ne me souviens plus malheureusement du nom, mais ça vous aurait fait rire. La, le nom était terrible. Il faudra que je retrouve ça. Euh, pour toi, quelle est la meilleure marque de filtre externe À l'heure actuelle, les OAS. Clairement. Euh, les OAS, euh, les biomasters sont excellents, euh, ne serait-ce que grâce à leurs pré-filtres euh, leur pré qui s'enlèvent. Mais c'est super pratique, euh, c'est vraiment génial. Quoi. Ils sont vraiment très très bien. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, après les Eheim, euh, là normalement je devrais recevoir euh, un nouveau Eheim Pro 5E. Euh, donc je vous dirai euh, ce que j'en pense euh, quand j'aurai testé un petit peu, mais sur le papier ils sont bien aussi. Puis j'ai des filtres etime depuis euh, 25 ans, euh, donc. Pour moi, c'est évidemment une bonne marque. Évidemment, c'est cher. Ça, je vous dis pas le contraire. Euh, après, les autres marques, euh, Fluval, euh, pas mal, euh, mais un peu particulier. Euh, les Fluval X, parce que les, les, les tubes, en fait, les, les tuyaux ont des diamètres euh, spéciaux, donc pas standard, et c'est un peu la galère, notamment si vous voulez mettre, euh, euh, bah, je sais pas, un, un tube de rejet différent de ce que vous avez, en verre ou en inox, bah, vous trouverez pas le tuyau adéquat. Donc, c'est pas top. Aquanova, je ne connais pas. Il y a plein plein de marques comme ça qui sont en fait des marques blanches euh, chinoises, euh, donc pff, Sunsun, euh, tous ces trucs-là. Euh, mais en général, quand c'est un petit peu moins cher, euh, c'est bruyant, euh, ça casse, le plastique est cassant. J'ai eu des filtres, euh, je sais plus quelle sous marque c'était. Euh, bon, je l'ai donné rapidement parce que ça faisait un bruit pas possible. Donc c'est pas euh... C'est pas toujours évident de trouver un bon filtre à un prix euh, pas trop cher. Euh, moi, je me suis très vite rendu compte en aquariophilie euh, que dès qu'on mettait pas cher dans un filtre, notamment, on avait des pépins. Au début, j'étais comme tout le monde. J'ai acheté mon petit aquarium de 60 litres et tout ça. J'étais contente. Et puis, je m'étais dit tiens, je vais prendre un filtre externe. Ah, j'ai pris un filtre externe, premier prix. Ça a été une catastrophe. Du bruit, ça cassait, il y avait des fuites. Enfin, bon, bref. Euh, du coup. À la suite de ça, j'ai économisé, je me suis acheté un filtre Heim le 2036, je l'ai toujours, il fonctionne toujours, je vous l'ai montré sur la chaîne, euh, ça fait plus de 20 ans. Donc euh, comme quoi, les Sunson ou les de 35 euros Amazon, c'est fiable Non, clairement c'est pas fiable, c'est pas fiable du tout, euh, tout ce qui est pas cher de toute façon, je vous le redis, il y a en sous roche. Si c'est pas cher, c'est qu'on a renié sur la qualité quelque part. Donc forcément, vous allez avoir une lampe LED qui va peut-être pas durer aussi longtemps qu'une autre marque. Vous allez avoir des, des LED qui vont pas être terribles ou pas très adaptées à la vie aquatique. Donc vous allez avoir souvent du bleu, du blanc. Alors, vous n'aurez pas du tout de rouge, alors que c'est quand même intéressant d'avoir du rouge pour la pousse des plantes, etc. Euh, voilà, une rampe qui n'est pas étanche, un filtre qui va faire un bruit pas possible, euh, des pépins euh, sur un filtre où vous n'aurez pas de pièces détachées. Donc, vous allez casser un petit morceau, bah ça sera foutu, il faudra mettre tout le filtre à la poubelle. Donc, c'est des petits détails comme ça qui font que quand on met le prix. Bah, c'est rentabilisé sur le long terme, en fait. On va économiser en achetant pas cher tout de suite, euh, puis bah, au bout de quelques temps, vous allez vous rendre compte que bah, vous auriez peut-être mieux fait de mettre tout de suite un peu plus cher. C'est bête, hein c'est dans beaucoup de domaines comme ça, dans l'aquariophilie aquariophilie, c'est très souvent. Les filtres JBL, j'aime pas trop dans le sens où je les trouve pas pratiques, tout simplement. Il y a aussi cette question-là, il faut que ce soit pratique. Les filtres OAS, pour moi, ils sont meilleurs que les autres actuellement, parce qu'ils sont pratiques, principalement, parce que sinon, le, le filtre en lui-même, c'est toujours la même chose, c'est des paniers de filtration, euh, et puis l'eau circule, basta, euh, donc ils sont silencieux, euh, comme les AIM, mais à la différence des AIM, ils sont plus pratiques, tout simplement, avec le pré-filtre. Euh, c'est lequel le meilleur chauffage d'aquarium pour un nano Alors pour moi, euh, de tous ceux que j'ai essayé jusqu'à présent, et Dieu sait que j'ai eu des nanos, et Dieu sait que j'ai cassé des chauffages, c'est le, euh, comment il s'appelle Le Aquel, euh, celui qui est tout plat, le Smart Heater, je crois que c'est ça, Smart Heater. Je vous, vous l'ai présenté sur la chaîne. De toute façon, en général, quand vous voyez un test sur la chaîne, c'est parce que euh, je suis contente du produit, je les ai testés, euh, j'en ai racheté du coup, et, euh, et je vous les présente parce que j'en suis contente. Es-tu pro pesticides pour soigner euh, les poissons ou pas Non, non, non. Euh, le plus possible, j'essaie de soigner mes poissons de manière naturelle. Donc, soit avec euh, du sel, tout simplement, euh, du sodium, donc, hein, je vous ai présenté cette méthode sur la chaîne, soit avec euh, des feuilles de catapa, euh, donc euh, avec des plantes. Euh, les feuilles de catapa, ça, ça guérit euh, pas mal de trucs. Euh, les points blancs, les trucs comme ça, ça, ça aide vraiment. Euh, Qu'est-ce que j'utilise aussi L'extrait d'aloe vera. Euh, mais ça fait des années que j'ai pas utilisé un médicament, par exemple, avec du verre de malachite euh, ou, euh, ou du bleu de méthylène. Euh, ces ces médicaments-là, pour moi, c'est fini. Euh, je trouve que c'est vraiment plus utile. Après, voilà, j'essaye aussi de faire en sorte que mes poissons ne soient pas malades. S'il y a un de mes poissons qui a un petit bobo, euh, bah en général, euh, bah je le. Je le prends délicatement dans ma main. Euh, dans ma main mouillée, évidemment, pour ne pas lui abîmer la peau. Euh, je le mets euh, de façon à mettre légèrement au-dessus de l'eau euh, la partie où il y a une plaie. Ça fait longtemps aussi que mes poissons n'ont pas eu de plaie. Mais... Et je mets un tout petit peu de bétadine. Vous savez, la bétadine qu'on a pour nous. Hein, un petit désinfectant. Et hop, je le laisse partir. C'est juste pour désinfecter la plaie, pour pas que ça s'infecte. Et ma foi, euh, bah pour le moment, tout ça, ça, ça réussit pas mal. Donc, j'ai pas trop trop de soucis. Donc, euh, ouais, j'essaie d'éviter au Maximum tout ce qui est produits chimiques et anti-algues et compagnie, alors là c'est pire que tout. Euh, comment tu chauffes un 700 litres Alors un 700 litres, euh, tu vas avoir besoin des plus gros chauffages possibles. Alors soit tu vas utiliser euh, deux chauffages de 300 watts euh, de, de, de voilà disposés à part égale dans l'aquarium, euh, sinon tu peux aussi utiliser un filtre avec un chauffage intégré, un ou deux filtres, hein, suivant euh, bah, tout simplement ce que tu as comme population dans cet aquarium. Si tu as euh, des poissons carnivores, je sais pas, euh, des gros poissons quoi. Euh, des Oscars ou je ne sais quoi, des bébés ou euh, tu peux avoir besoin de deux filtres avec deux chauffages. Euh, donc tu peux aussi utiliser des chauffages externes. Euh, AI m'en a sorti je crois, des, des copies plus ou moins du système Idor, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ETH. Euh, donc, il y, y a pas mal de solutions, euh, mais c'est clair que dans 700 litres, euh, il faut euh, deux chauffages, c'est mieux euh, pour pouvoir avoir une température relativement stable. Après, c'est pas grave non plus il y a des endroits qui sont un peu plus frais dans l'aquarium, mais si tu as vraiment besoin de chauffage, il euh, faut, faut vraiment avoir deux chauffages, ça c'est impératif. Euh... « Salut, tu as une idée de kit CO2 avec un détendeur à pas trop cher. » Alors ça, je vous ai montré sur la chaîne, hein, des détendeurs à pas trop cher. Euh, vous pouvez en trouver très facilement sur Amazon. Hein. Vous mettez « détendeur », je vais faire la recherche, vous allez voir. Euh, toc. Amazon ou ailleurs, hein, je vous dis ça. Hein. Euh, toc, toc, toc. Donc là, le premier que je trouve, il est à, à, à 46,99 euros. Il y en a un autre à 23 euros. Ouais, donc c'est pas non plus euh, hyper cher, quoi. 48,90 euros. Celui-ci, non, ça c'est autre chose, c'est pas terrible. Euh, je, ouais, je peux, je peux vous partager celui-là. Hop, je l'ai perdu. Où est-il alors sachant que moi j'utilise systématiquement une électrovanne. Ah j'ai perdu le lien. Hop. Toc. Donc ce type de modèle que je vais vous mettre dans le chat, voilà, celui-ci est à 48 90. Ah, j'ai encore perdu le chat, c'est terrible. Toc, voilà. Donc, c'est franchement pas cher pour un détendeur CO2 avec une électrovanne intégrée. Euh, quel osmoseur faut-il pour mon bac Ça dépend de la taille de ton aquarium, de tes besoins en eau osmosée et de ta capacité à stocker ton eau osmosée aussi. Comment acclimater un bêta J'ai fait une vidéo à ce sujet complète. Ça sera beaucoup plus parlant plutôt que moi qui t'explique euh, sans les images. Mon 700 litres est en extérieur et je galère avec deux chauffages pour le maintenir à 18 degrés. Euh, bah alors là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est plus euh, chercher dans le. Donc comment le chauffer, mais plutôt comment l'isoler ton bac. Euh, tu peux euh, mettre de la laine de verre autour si tu en as en stock, euh, par exemple, pour avoir fait les comptes de ton habitation, euh, de, euh, du polystyrène autour, euh, couvrir le bac évidemment pour éviter toute, euh, toute évaporation et tout échange de température. Euh, là ouais, si es en extérieur, faut vraiment euh, faire en sorte que ton bac soit plus isolé que ça. Tu peux mettre du bois aussi. Il euh, y a plein de solutions. Ils sont beaux les suites sur ton site, merci. Oui, bah là j'ai mis celui-ci parce que ça commence à faire froid à la maison là. Bon, vous le voyez pas trop, hop, c'est des poissons. I'm proud to be fish keeper. Alors bientôt avec la nouvelle loi, je sais pas si j'aurai le droit de porter ça. Hein. Je sais pas si j'aurai le droit d'être filaire. J'ai mis du liège autour de la cou avec un couvercle en plexi, mais c'est galère. Ah bah oui, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est quelque chose de particulier là. 嗯。Uh Rien à voir, mais comment se procurer tes tableaux Alors, ça, vous avez euh, le site, vous allez sur www.angéliquewy.com, euh, vous avez mes sites sur ce site-là, donc il y, y a effectivement Angélique qui peint, et puis moi aussi. Donc euh, actuellement, c'est vrai que je n'ai pas ajouté beaucoup de tableaux sur le site, euh, je peins un petit peu moins, j'ai moins de temps, j'ai d'autres choses à faire, d'autres boulots, euh, mais euh, je pense que je, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais refaire et remettre quelques tableaux sur le site. Est-ce que je chauffe les Caridina l'hiver euh, Les Japonica, oui. Euh, après, je ne les ai pas en extérieur. Donc, de toute façon, euh, elles sont dans des bacs, effectivement. Par exemple, là derrière, j'en ai. Elles sont dans des bacs qui sont chauffés. Donc, il n'y a pas de souci. Après, euh, les Caridina, euh, ouais, jusqu'à 19 degrés, ça passe encore. Hein. Euh... Salut, Méo95, j'ai un couple de ramirezis seul et je compte les reproduire. Penses-tu que si j'ajoute des Corridoras, ils risquent de gêner les ramirezis? Alors ça serait mieux si tu veux effectivement faire de la reproduction, de laisser les ramirésis seuls, ça sera beaucoup plus simple pour toi pour gérer les paramètres de l'eau, pour, pour que tout simplement les, les jeunes ramis soient tranquilles parce que les Corydoras, ça, ça, voilà, ça bouge un peu quand même et puis ils vont aller les embêter. Ils peuvent aussi en gober un petit peu, les Corydoras c'est omnivore, hein, donc ça mange des larves de moustiques, donc ça peut gober quelques petits ramirésis. Donc mon conseil si tu veux les reproduire, c'est effectivement d'attendre un petit peu, euh, fais ta repro, euh, profite un peu de, de, des bébés, euh, comme ça tu pourras les nourrir, les voir grandir, ça sera plus serein pour toi, euh, ça sera plus simple aussi pour les parents qui n'auront pas à faire bouger les coris euh, qui vont se rapprocher un peu trop près de, des petits. Donc euh, voilà, fais la repro, attends qu'ils grandissent un peu et puis après rajoute des coris euh, si tu comptes pas re -re reproduire tes poissons. Euh, un projet de paludarium. Alors, j'ai beaucoup de projets en tête. Après, euh, voilà, un paludarium, je l'avais dit, c'est paludarium, euh, terrarium humide. Il euh, y, a, y, a, y a plein de petits trucs que je voudrais faire. Mais voilà, j'ai des projets qui, du coup, ont pris un peu le pas. Euh, donc, pour le moment, c'est repoussé. C'est pas pour tout de suite. Mais je ferai, je ferai un truc, ça, c'est sûr. Euh, la cyanobactérie, j'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à aller les regarder, c'est un sujet complexe, donc il y a plein plein de trucs à prendre en compte, euh, donc je ne peux pas euh, voir ça rapidement euh, ici. Euh... Le tétra, on pourra les acheter même après la loi. Alors la loi, je ne vais, vais pas revenir dessus, vous m'excusez, j'en ai parlé pendant une heure et demie. Euh, vous regarderez le, le replay, je pense que vous aurez des réponses à vos questions, parce que je vois qu'il y a encore quelques questions euh, là-dessus. Euh, Annie, tu as quoi comme projet Alors, j'ai plein de projets en tête. Es, C'est logique, mais après, j'ai une contrainte de place, j'ai une contrainte budgétaire euh, et j'ai une contrainte de temps. Donc, du coup, il y a des projets que j'ai, mais qui, je sais, je les ferai pas avant peut-être plusieurs années. Il euh, y a des choses qui vont être beaucoup plus proches. Euh, normalement, vendredi, non, samedi, euh, je vais vous présenter mon nouvel aquarium pour ceux qui l'ont peut-être pas encore vu. Euh, je vais vous expliquer un petit peu ce, que, ce qui va se passer avec. Euh, donc voilà, ça, ça va venir. Il y a des nouveaux projets en cours. Euh, c'est la période hein, en hiver, toujours des nouveaux projets. Euh, mais c'est vrai que je peux pas vous les détailler parce qu'il y en a qui sont pas encore sûrs et certains, il y en a qui il faut que je budgétise, etc. etc. Euh, salut Maxence, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Euh, je veux mettre euh, 5 vitatara avec mes 18 poissons de banc, genre hétéromorpha et et dans mon aquarium de 150 litres. Ce choix, si possible. Alors, attends. Euh, 150 litres, ok. Euh, hétéromorpha, ok. Choprae, ok. Alors, t'es 18 poissons, donc je suppose que t'as 9-9. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Si ton bac n'est pas trop trop euh, récent non plus, il est bien équilibré, tu peux. Euh, c'est quoi cool, le dernier poisson que tu as acheté Pff, Voilà la question, bonne question. J'achète pas souvent de poissons, en fait. Euh, bah, je crois que c'est les cupotailles qui sont derrière. Dans... Je réfléchis, mais ouais. Non, j'en ai pas racheté depuis. J'en achète très peu. Euh, en, a... en fait, j'en achète bah, quand j'ai un nouveau bac. Euh... Sinon, j'en achète pas. Et encore, des fois, c'est des poissons que j'avais déjà dans un autre bac que j'ai transférés. Euh, donc, pas... j'ai pas toujours d'achat à faire. Hein. Quand est-ce que je vais refaire un unboxing surprise Ça, je ne sais pas encore. Euh, alors... Comment on chauffe de l'eau osmosée pour le changement d'eau Alors moi je ne chauffe pas. Tout simplement, Arthur, euh, que ce soit l'eau du robinet, quand je... enfin, ça dépend des bacs, donc il y a des bacs où je fais mes changements d'eau avec de l'eau du robinet, beaucoup avec de l'eau osmosée, je ne chauffe jamais cette eau. Je sais qu'il y a des personnes qui, qui s'embêtent la vie à mettre un chauffage dans leur seau, etc. Moi, je ne le fais pas, tout simplement, parce que dans la nature, euh, si vous avez une pluie, peu importe où, l'eau va être plus fraîche. Donc, les poissons, ils sont tout contents en fait quand l'eau est plus fraîche. Euh, c'est Pour eux, c'est sympa d'avoir de l'eau plus fraîche. Ça peut même déclencher la reproduction de certaines espèces de poissons, par exemple les corydoras. Euh, quel autre poisson Des dagneaux. Euh, Il y a plein de poissons comme ça euh, qui ont une repro déclenchée par une eau plus fraîche. Et un changement d'eau avec de l'eau qui n'a pas été chauffée préalablement, qui est à température ambiante, c'est euh, bon pour eux. Donc, moi, je jamais eu de problème. Avec ça, euh, sachant qu'on change pas 100% de l'eau, c'est normal. Euh, donc, l'eau ben, elle va euh, se mélanger avec l'eau qui est un peu plus chaude. Ça va rafraîchir un tout petit peu l'aquarium, à peine un degré, et ça fera rien de plus. Hein, les poissons, quand vous sortez de chez vous, il fait un peu plus frais. Vous allez pas tout de suite tomber malade non plus. Ben, les poissons, c'est pareil. Donc, euh, je chauffe pas. Tout simplement, euh, je laisse mon eau osmosée à température ambiante, euh, mon eau du robinet, si c'en est, pareil, je la laisse euh, se réchauffer à température ambiante, le chlore s'évapore, et, et puis voilà. Faut voir les choses simplement, des fois, en aquariophilie. C'est... c'est tout bête. Bon, il est déjà 8h10. <laughs> J'ai pas vu le temps passer. Donc je vais pas tarder à y aller. Je vais prendre encore une question. Euh... Merci Mélisse, toujours un plaisir d'entendre ta voix qui passe toujours très bien en vidéo. Merci beaucoup, ma voix passe en vidéo, c'est rigolo. Euh, oui, puis je pense qu'avec le nouveau micro en plus vous avez un, un son bien meilleur et c'est tant mieux. Euh, tu n'as pas reçu le light background de ton dernier Iwagumi Alors, bah non, c'est pas que je l'ai pas reçu, je, je l'ai pas acheté. Euh, je l'ai pas acheté parce que bah, ça coûte un peu de sous-sous. Euh, donc, du coup, non, bah j'ai toujours pas. Et puis, c'est pas ça, n'a pas été dans les priorités. Euh, là, j'ai un nouvel aquarium donc ça coûte, hein, vous, vous savez. Donc, euh, forcément, là, c'est pas super grave. Ça, ça me dérange pas. Ça viendra, hein, je l'aurai un jour, mais pour le moment, effectivement, je l'ai pas bien vu euh... les kilis oui aussi certains kilis se reproduisent après les changements d'eau bah c'est c'est comme on, on simule une petite pluie hein, donc euh, souvent les petites pluies ça ça stimule beaucoup beaucoup de poissons euh... alors euh... quels paramètres surveiller avant d'introduire des poissons dans un nouvel aquarium les nitrites, impératif. Si tu as des nitrites, tu ne mets pas encore tes poissons. Dès que tu n'as plus de nitrites, tu peux en ajouter. Alors attention, la première semaine et la deuxième semaine, tu n'auras pas de nitrites dans ton aquarium. Ça, c'est logique parce que le cycle est en train de se faire, mais à partir de 15 jours, Testez vos nitrites. Euh, si vous ne voyez pas de nitrites pendant une semaine de test, au bout de trois semaines, vous pouvez commencer à ajouter quelques poissons. Mais c'est vraiment les nitrites qui sont importants à surveiller euh, dans, bah, dans le lancement d'un aquarium et pour ajouter les poissons. Allez, je vais répondre à une dernière petite question. Euh... Allez deux parce que je renvoie deux. Est-ce que salut Alain? Est-ce que je suis toujours contente euh, des détendeurs à quartz? Alors j'en ai qu'un, un hein, détendeur à quartz. Euh, ouais, j'en suis toujours extrêmement contente. C'est super pratique et il se règle vraiment super bien. Euh, mais je suis aussi très contente des détendeurs premier prix euh, à 50 euros. J'en ai deux. Deux ou trois, je ne sais plus. Euh, en tout cas, euh, moi, j'en suis contente. Il marche très bien. j'ai pas eu de panne. Les électrovannes elles tiennent, tu vois, même pour un prix un peu moins élevé. Donc, euh, pour le moment, euh, c'est vrai qu'au niveau matériel, je réfléchis, mais j'ai rien qui m'a lâché dernièrement. Donc, euh, tout marche plutôt bien. C'est tant mieux. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Et puis, du coup, c'est quoi mon poisson euh, Le poisson de mes rêves Alors, En fait, j'ai pas de poisson de mes rêves. Mon rêve, c'est plutôt un bel aquarium avec des plantes. Euh, les poissons, c'est passé un peu plus secondaire pour moi depuis quelques années. Euh, J'aime toujours ça. Euh, S'il si fallait faire de la reproche, je serais content d'en faire. Mais j'avoue que c'est plus ma priorité en aquariophilie. Euh, là, vraiment, je suis plus partie sur les plantes. Euh, que ce soit d'ailleurs en aquariophilie, et pas qu'en aquariophilie, euh, je suis quand même plus euh, verdure depuis quelques années. Ça re changera rechangera peut-être. Hein. Actuellement, j'ai pas une grosse envie de poisson. Peut-être. Euh... Euh, je... Non, même pas. Non. Rien de spécial. Euh, tu vois, je suis pas très exigeante. Il euh, je... faudrait que je réfléchisse peut-être un peu plus à la question des poissons que j'aime ou pas, parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question. Peut-être qu'il faudrait que je me pose moi aussi un jour cette question. Donc, bah, écoutez, euh, merci à tous d'avoir été là. Vous êtes quand même restés presque 300 jusqu'à la fin du live et c'était pas rien. Euh, donc, euh, bah, j'espère vous avoir informé pour tout ce qui concerne le projet de loi, etc. Vous en faites pas trop non plus. Hein. Euh, je n'étais pas là pour vous mettre le somme non plus et vous, vous gâcher votre dimanche soir. Mais c'était pour vous informer. Je vais essayer de vous tenir informé la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qu'il en est. De toute façon, je pense qu'on en sera plus euh, tous euh, d'ici peu de temps. Euh, et puis, euh, la prochaine fois, je vous ferai un live plus complet avec euh, plus de questions. Pas de panique. Euh, là, je sais, ça a été un petit peu tronqué, mais c'était euh, important de, de parler de tout ça. Donc, merci à tous. Merci aux membres de la chaîne, de leur soutien indéfectible. Euh, vous avez été présents encore une fois dans le live. Merci beaucoup. Merci à tous les abonnés qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est cool aussi. Je pensais que ça stagnerait au-dessus de 100 000 et puis en fait, non, ça continue de monter. Donc c'est bah, agréable, tout simplement. C'est sympa. Donc merci à tous, euh, je vous dis à très bientôt, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai mon nouvel aquarium, euh, il n'est pas encore aquascapé mais bah, au moins vous le verrez, et puis voilà, bonne fin de semaine, bon dimanche à tous, bon courage à ceux qui bossent à partir de demain et même ceux qui bossent peut-être ce soir, bye bye, bisous